Bonjour à tous. D'abord, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce matin. Maintenant, pour animer le colloque auquel j'ai participé l'année dernière sur la table ronde. Donc, ça fait bizarre. Hein je préférais être à la table ronde. Là, je suis un peu stressée. Le protocole, les noms, c'est pas mon truc. Donc, excusez-moi par avance si je monte, descends au mauvais moment. en tout cas, j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses comme toujours chez Palladio, découvrir, entendre des intervenants de qualité ouvrir les chakras et j'invite Thierry à venir déjà dire quelques mots d'introduction. Merci Thierry. Thierry qui est président, vice-président de l'Institut Palladio. Ça commence, je suis vraiment pas doué pour les titres. Mais non, tu es parfaite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Madame la maire, Madame la présidente. Cher Pierre, cher Bertrand, chers auditeurs de, de Palladio, alors nous y voilà. C'est une matinée qu'on attend tous et je crois qu'on peut dire qu'on est collect collectivement ravi de se retrouver physiquement et non pas digitalement pour ce colloque de l'Institut de la Fondation Palladio. Alors le programme et la diversité des profils présents aujourd'hui dans la salle prouvent une nouvelle fois, si besoin était, la richesse et la diversité de la Fondation Palladio et de son institut. Parce que quand on se regarde, eh bien on voit qu'on a à la fois des dirigeants politiques, acteurs de la vie locale, régionale, nationale, des chercheurs, des universitaires, des dirigeants d'entreprise et plus largement un panel de professionnels de l'immobilier plus largement de la fabrique de la ville. Alors ce matin, on va vivre un des grands moments, un des temps forts qui fait battre le cœur de l'année de l'institut puisqu'on va fermer le 11e cycle sur le thème « Pour une civilisation urbaine, les défis de l'espace » public, et puis on va ouvrir le douzième cycle, parce qu'on se réinvente toujours à Palladio, qu'on va consacrer sur toute l'année 2023 sur un thème que je trouve assez fascinant, qui est réconcilier la ville avec la nature. Alors, conformément à la tradition, ce nouveau cycle implique un changement de parrain, et plus exactement cette année, le passage de notre marraine 2022, Madame la Mère, à un parrain. Alors notre marraine, vous la connaissez, c'est Nathalie Appéré, maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole, que je remercie particulièrement au nom de l'Institut, au nom de Bertrand et des auditeurs de son implication, et c'est peu de le dire, à nos côtés. Comme la Fondation Palladio, vous appréciez, Madame la Maire, les solutions concrètes pour une ville que vous portez, que vous incarnez, pour qu'elle soit plus humaine plus vivable, plus durable, plus inclusive, les adjectifs me manquent, plus créatrice de valeur pour toutes et pour tous. La journée qu'on a passée avec vous à Rennes restera dans les mémoires parce que ça a été vraiment un moment très très fort du cycle avec un moment d'échange, question-réponse qui était vraiment très très vif, très intéressant. Et je vous ai dit en aparté tout à l'heure, mais je peux le répéter parce qu'on est entre amis, on aimerait bien que vous vous dupliquiez dans beaucoup d'autres villes de France. Alors, pour vous succéder, on va continuer dans la grande tradition de nos parrains issus du monde politique, mais on va innover. Parce qu'en fait, on a choisi, enfin, c'est Bertrand qui a choisi, mais on était enthousiaste sur ce choix, notre parrain à l'international. Pour la première fois, je crois, de, de notre histoire. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Bertrand. Conformément à la philosophie d'ouverture de Palladio, pour élargir à la fois les regards et les géographies. Les objectifs de la Fondation n'ont pas de frontières, et nos intelligences, je crois, doivent s'enrichir de celles des autres. Alors on n'est pas allé très loin pour trouver un nouveau parrain puisqu'on est resté en Europe, à 300 km exactement de Paris, avec un parrain francophone à la tête d'une capitale nationale et européenne. Vous avez deviné où oui, il y a déjà son nom qui affiché. Non, pas encore. En fait, il s'agit de Philippe Claus, qui est le bourgmestre, on dit comme ça, de Bruxelles depuis juin 2017 et qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'accepter. Il va être sur scène avec Bertrand tout à l'heure, avec la mère. Il est très engagé, vous le verrez, sur l'urbanisme et la durabilité. On ne pouvait pas souhaiter meilleur parrain que lui. Pour succéder à Nathalie Appéry, parce que la barre est haute, Madame la maire. Je profite de ces remerciements pour remercier, deux remerciements, mais bon, toutes celles et tous ceux qui soutiennent la Fondation Palladio et l'Institut, c'est très important pour la vie de Palladio, les membres fondateurs au premier rang, les mécènes et bien évidemment les permanents. Mais je voudrais aussi remercier plus particulièrement dans les permanents Mathieu Garraud, qui est le DG de, de la Fondation. Où est-il Mathieu On voit, il est où Là, voilà. Euh, Pierre Ducret, qui est là qui est le directeur de l'Institut, Lucie Guénin. Responsable du développement et du mécénat et qui s'occupe aussi beaucoup beaucoup de la constitution du collège d'auditeurs et puis Marie-Pauline Perrier qui est chargée de la com et qui a organisé cette matinée avec l'appui d'Isabelle Carichon office manager de Palladio et ça me semblait leur rendre justice de les citer toutes et tous. Il me reste à vous souhaiter, et de les applaudir parce qu'il faut un super boulot. Hein. Venez à la maison Palladio vous allez voir vous êtes très très bien accueillis. Il me reste à vous souhaiter un excellent colloque dont je ne doute pas qu'il sera intéressant fructueux et convivial. Je te repasse la parole. Merci. Merci beaucoup Thierry. Euh, bah, écoutez, avant d'inviter Pierre, à, à Pierre ducret à monter sur scène, me rejoindre pour présenter un tout petit peu plus, je dirais rentrer dans le sujet un peu plus profondément, euh, on me demande de dire quelques mots sur, sur Paladio. Alors, je crois que vous connaissez tous euh, quel est le cycle auditeur. Il doit y avoir d'anciens auditeurs comme moi aujourd'hui dans, dans le public et, et les objectifs. Moi, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé cette, euh, cette matinée. On va parler de liens social, on va parler d'interaction, on va parler de surprises, de rencontres. Ben C'est ce que j'ai vraiment découvert, trouvé chez Palladio quand je suis venue. Ah ben c'était sur la santé, c'était l'année dernière, c'était pendant le confinement. Justement, l'interaction, la friction, l'échange, créatrice de savoir, créatrice d'ouverture, le partage d'expériences. Et c'est vraiment tout ça, Palladio, et c'est ce qui en fait un lieu, je pense, unique. Et c'est pour ça que j'ai vraiment plaisir à y être à nouveau ce matin et que j'aurai vraiment plaisir à continuer à suivre euh, et à participer, j'espère, aux travaux. Donc voilà, maintenant j'invite Pierre à, à monter sur scène, Pierre qui est directeur de l'Institut et qui va nous en dire un petit peu plus sur les thèmes que nos auditeurs ont abordés cette année. Merci Christelle, bonjour à tous. Oh, je serai très bref pour, pour introduire surtout la, la table ronde que va d'ailleurs modérer Christelle, euh, qui sera une très courte restitution euh, d'une demi-heure euh, pour essayer de vous, vous faire toucher la, la, la saveur et la profondeur hein, du, du, du travail qui a été fait au cours, de, au cours de ce cycle. Je voudrais juste dire que la, la raison pour laquelle nous, avons, euh, nous avions choisi dès, dès 2021... Euh, les raisons pour lesquelles nous avions choisi ce thème de l'espace public euh, étaient, étaient euh, diverses. La, évidemment, la crise sanitaire n'y était pas pour rien. Il y a eu une, une redécouverte de l'importance de l'espace public par l'expérience que nous avons tous fait collectivement euh, euh, des, euh, des confinements. La, la deuxième raison. Euh, c'est que on voulait prouver aussi en choisissant ce thème que le cycle de l'Institut Palladio n'est pas un cycle qui se limite à la question, aux questions touchant l'immobilier, mais que c'est bien la question de la ville dans son ensemble. Et, et évidemment, en, en parlant de l'espace public, on parle de ce qui fait même la très, au, au moins autant que les objets construits, la forme des villes, euh, euh, qui, 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 est, qui est vraiment l'objet de l'Institut. Il y a une troisième raison, c'est le fait qu'il y a une véritable ébullition. C'est un sujet qui est éternel, mais qui est aussi d'une très grande actualité, ne serait-ce que parce qu'un bon nombre de villes, de grandes villes notamment, s'en occupent. Et s'en occupent pas seulement par des réalisations, mais aussi par une réflexion en profondeur. Il y a une, on a l'impression que vraiment des municipalités revisitent leur politique de l'espace public actuellement. C'est le cas, bien sûr, de Rennes l'asile de notre, de notre marraine mais je peux citer dunkerque Lyon, paris évidemment qui a publié un, un, un répertoire de, de l'espace public récemment dont emmanuel grégoire est venu nous parler lors du, débat pub, du deuxième débat public de, 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 du cycle. donc cette ébullition euh, euh, j'allais dire intellectuelle mais, mais qui fait intervenir toutes les professions contribuant à la fabrique de la ville était aussi une, une bonne raison et nous l'avons ressenti pendant, pendant le cycle. Et puis enfin, euh, ce qui est fascinant dans ce thème de l'espace public, c'est qu'on tangente en permanence euh, euh, les questions euh, liées à l'urbanisme, disons au sens large, et les questions politiques. Parce que l'espace public, c'est aussi un concept politique. Et, et, et donc on, on ne peut pas euh, traiter euh, l'un sans l'autre. Et c'était évidemment euh, une des raisons pour, euh, pour s'y intéresser. Alors, ce que, je voudrais, ce que je voudrais dire maintenant, avant de passer la parole aux auditeurs qui vont faire cette tentative de, de restitution partielle en 30 minutes, et je les remercie, ceux qui ont été volontaires pour le faire, et Christelle de, de modérer cette table, je voudrais d'abord remercier notre marraine pour l'accueil qu'elle nous a fait à Rennes. Ça a été un très très grand moment. Je pense que ça a beaucoup contribué, beaucoup alimenté la, la réflexion des auditeurs. Votre masterclass du vendredi matin a été euh, vraiment formidable. C et d'ailleurs, d'une certaine façon, on a... Voilà, Édouard euh, Philippe, l'année dernière, vous, cette année, on a institué quelque chose, ce n'était pas le cas avant, euh, qui est une sorte de masterclass du vendredi matin d'un maire. C'est un grand privilège pour les auditeurs euh, de pouvoir... Euh, à avoir ce, ce, cette, cette, ce moment euh, assez intime hein, où euh, un maire ou une mère euh, partage en quelque sorte sa réflexion sur, euh, euh, sur le sujet du cycle et puis enfin euh, je termine en, en voulant euh, vraiment alors ça peut paraître un peu convenu mais remercier les, ou bien surtout nos intervenants mais surtout les auditeurs du cycle parce que euh, ce voyage est vraiment un voyage collectif comme l'a dit, euh, dit Christelle et moi j'ai été sincèrement impressionné par la qualité, c'était déjà le cas l'année précédente, si vous voulez. Mais euh, vous voyez, pour faire l'exercice qui arrive aux actes, notamment à la synthèse, euh, il faut que je reprends euh, pendant l'été euh, le mois de septembre euh, tout ce qui a été, parce qu'on a des verbatimes qui sont très bien faits. Donc je reprends tout, c'est-à-dire à la fois les verbatim des intervenants et les verbatim des, des groupes. Et ce qui m'a frappé, c'est que pour faire mon exercice de synthèse mais ben, j'ai pris autant de choses qui venaient des intervenants que, que venant des, euh, venant des, des, des groupes eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une richesse dont les, notamment d'exemples, d'idées, etc. Des, en fait, ce sont, les, les auditeurs sont véritablement contributeurs, euh, contributeurs du cycle, et je voulais les remercier pour ça, et aussi pour euh, l'ambiance formidable qu'il y a eu euh, euh, entre nous pendant ce voyage. Christelle et euh, les quatre, là, à vous. Et merci beaucoup Pierre. Donc en effet, j'invite euh, les quatre représentants de, des auditeurs de, de cette année à, à venir s'installer euh, autour de cette table ronde. Donc euh, alors c'est pas Dolbone, mais donc il y a Émilie Bajolet qui s'installe, qui est directrice adjointe conseil et programmation d'AREP. Virginie lonzi directrice prospective de Bouygues Construction. Marie Quatrefage, directrice du département conseil stratégique et opérationnel d'Artelia. Et enfin, Fabrice Fatta, directeur des programmes immobiliers de SPI Batignol. On m'a demandé de m'installer discrètement au bout pour ne pas faire d'ombre. Alors, déjà, quelques mots. C'est vrai que c'est intéressant de se retrouver ici à cette table ronde. Moi, j'étais parmi vous l'année dernière. Comme l'a dit Pierre, on travaille intensément, on écoute, on travaille, on réfléchit, on partage. Et c'est vrai que moi, j'avais connu quand même quelque chose de particulier. Euh, l'année euh, le cycle sur la santé ça a été l'année du confinement et je trouve que c'est voilà ça nous a beaucoup euh, marqué dans notre fonctionnement et je pense que c'est aussi un moment qui euh, va a beaucoup marqué euh, je dirais euh, l'histoire aussi ou en tout cas euh, la façon dont nous apprenions l'espace public parce que le moment du confinement ça a été un moment où, euh, où justement on n'a plus accès à l'espace public et comme souvent on euh, on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux tous les jours et on ne l'apprécie plus suffisamment et cette disparition de l'accès à l'espace public je pense est vraiment un moment qui permet de redécouvrir toute la valeur toute la valeur d'usage toute la valeur la complexité l'utilité de l'espace public la dimension vitale du vivre ensemble alors justement Virginie je crois que ça a été vraiment quelque chose un peu le fil rouge le fil conducteur de vos réflexions toute l'année justement c'est cette dimension du lien social comme vecteur d'urbanité oui Christelle, bonjour à toutes et à tous. Euh, effectivement, finalement, nous avons tous ressenti hein, l'importance de la valeur d'usage dans ces espaces publics, notamment pendant la, la crise sanitaire. Ces espaces publics sont vraiment synonymes d'une multiplicité euh, d'usages qu'on ne va pas pouvoir tous développer aujourd'hui par manque de temps, mais donc ils confèrent vraiment une valeur immatérielle au niveau des espaces publics. Et donc un des fondements essentiels qu'on a pu voir au cours de cette année, c'est vraiment ce sujet du lien social, du vivre ensemble au niveau. De, de l'espace public qui est vraiment qui construit l'urbanité de nos villes, comme tu le disais, Christelle. Donc, c'est vraiment ce partage, ces lieux de partage de, de rencontres euh, spontanées hein, entre des personnes qui ne seraient pas forcément euh, entrées en interaction qui est très important et qui est un élément clé au niveau de, de, de nos villes. Et donc, c'est vraiment passé de cette ville fonctionnelle à cette ville relationnelle qui est d'ailleurs très bien décrite par Sonia Lavadino, anthropologue. Qu'il qui analyse dans son dernier ouvrage sur les sept principes de la ville relationnelle. C'est cette ville de la, de la surprise, de la spontanéité. Et donc, pour favoriser justement cette mixité de vie collective, les espaces publics doivent garantir justement aussi un accès universel, libre et gratuit. Et donc, ce qui pose un, un deuxième enjeu, qui est celui de l'inclusivité des espaces publics. Donc, c'est vrai qu'on parle, l'espace urbain n'est pas toujours adapté à la diversité euh, des publics qu'il fréquente. Et donc, il y a un principe qui est de concevoir des espaces publics ouverts et accueillants, que ce soit pour les jeunes, pour les plus fragiles, pour euh, aussi pour les plus âgés. Et donc, ça bénéficie à tous. Je vais prendre juste l'exemple des enfants, qui sont souvent les grands oubliés, justement, de l'urbanisme et euh, de l'architecture. Et pour Thierry Paco, euh, donc, philosophe hein, et auteur du livre Pays de l'enfance, ville sera faite pour les enfants, plus elle sera agréable et plaisante pour tout le monde et pour tous les âges. Donc, euh, il nous donne quelques exemples. Hein, en 40 ans, effectivement, c'est vrai que le temps passé par un enfant dehors sans la présence d'un adulte est passé de 5 ou 6 heures par jour à 3 minutes. Et que 85% des enfants qui allaient à l'école à pied à 5-6 ans, bah, aujourd'hui, ils sont seulement 8% dans les pays de l'OCDE. Donc, vraiment, euh, finalement, penser une ville à hauteur d'enfants, c'est vraiment euh, une ville pour tous, apaisée, verdoyante, accessible, qui est au cœur des réflexions de certaines collectivités. Et donc, je profite de l'occasion, puisque, euh, avec. Euh, donc nous avons la présence de notre marraine Nathalie Apéré, euh, justement pour signaler que la ville de Rennes organise les 13, du 13 au 15 décembre euh, de, trois jours de réflexion sur ce sujet-là, sur la ville à hauteur d'enfants pour concevoir la ville autrement. Justement, euh, Virginie, en fait, j'ai entendu ce que tu as dit là. Tu as parlé d'interaction, d'ouverture, d'apaisement. J'ai l'impression que c'est des notions que la ville fonctionnaliste avait... Un peu oublié, clairement, on va dire même. Euh, par contre, il y a quelque chose que la ville fonctionnaliste a apporté, et je pense qu'il est toujours d'actualité, c'est l'impératif euh, d'efficacité qui, à l'heure où maintenant on, on a, je dirais aussi un impératif de frugalité, euh, nous oblige à penser intensification, intensification des espaces publics. Euh, dit autrement, comment on fait plus de qualité, plus d'espace publics avec moins d'espace Et ça, c'est une vraie question. Et donc j'ai découvert un terme que je ne connaissais pas, une, une, des, une des réponses, une des solutions au problème qu'on appelle la chronotopie. Alors vas-y Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est <laughs> Oui la chronotopie. Alors c'est vrai que nous n'habitons pas seulement justement des lieux, mais nous habitons aussi euh, le temps et des temps euh, différents. Euh, J'aime bien reprendre la, une phrase de Luc euh, Jadinski qui est géographe et donc professeur à Alensa à Toulouse. C'est on a souvent aménagé l'espace pour gagner du temps, mais on a rarement aménagé le temps pour gagner de l'espace. Ce que ça veut dire la chronotopie, donc ça vient du grec, hein, chronos le temps, topos le lieu, et finalement ça prend en compte simultanément des dimensions à la fois temporelles et euh, spatiales. Donc on, ça va permettre de travailler sur la temporalité pour faire vivre alternativement plusieurs profils d'utilisateurs ou plusieurs usages dans un même lieu, dans un même espace. Public afin d'accroître justement l'intensité et l'utilisation de cet espace. Donc concrètement, on va jouer à la fois sur des horaires d'utilisation d'un espace, différents usages auxquels justement le lieu est affecté, mais également différents euh, types de publics. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un même mètre carré, finalement, peut avoir un double, voire un triple usage, ce qui va générer à la fois des bénéfices environnementaux, sociétaux, mais également économiques. C'est aussi, on, le, on en parle là au niveau des espaces publics. Public, mais c'est un élément aussi très important aujourd'hui dans, dans le bâti puisque c'est vraiment notre premier levier justement en termes de réduction d'empreinte environnementale, cette hybridation et intensification des usages. On a d'autres... Euh, moyens, en tout cas d'autres mécanismes tels que l'urbanisme transitoire, temporaire ou l'urbanisme tactique aussi pour justement par rapport aux espaces publics. Donc où on va mêler ce rapport au temps et, et à l'espace. Et en fait, ces différents mécanismes nous amènent aussi finalement à une montée en puissance de l'action euh, citoyenne qui réinterroge le processus euh, habituel de la fabrique de la ville. Et donc c'est ce qui nous amène justement à une co-construction d'une ville, à une participation citoyenne beaucoup plus. Euh, Importantes. Alors pour ce faire, en fait, on a vu. Euh, donc c'est vraiment un autre élément essentiel de l'espace public. Quand on parle d'espace public au singulier, c'est généralement le lieu justement du débat politique, de la confrontation euh, des opinions. Et donc, euh, finalement, on a vu que l'espace public devient un lieu d'expression de la participation euh, citoyenne. Et l'attente citoyenne n'est pas simplement justement sur le vouloir, mais sur le faire. Donc, et Joël Zask, philosophe, euh, nous invite aujourd'hui à, à nous tourner vers justement ces passes publics euh, pour réinventer la société. Elle, elle en parle pardon, dans son dernier ouvrage, justement, très intéressant à lire. Pierre, vous le suggérait, qui est quand la place devient publique, donc qui devient un espace d'expression et de co-construction citoyenne. Voilà, donc je déborde, on me fait des grands signes. J'avais un exemple à partager sur la République des hyper-voisins sur ce sujet de participation citoyenne, mais je vous laisserai vous le découvrir tout seul. <laughs> Merci Virginie. c'est vrai que le problème c'est le problème qu'on a quand on est sur la table ronde, c'est qu'on a trop de choses à dire et on a beaucoup de choses à partager avec vous. C'était une année très riche. C'était une année très riche. Toutes les années sont très riches, mais bon. Mais justement tu parlais tu viens de parler Virginie de cette intensification des usages, de cette démultiplication des valeurs qui est rendue possible, mais je crois qu'il y a vraiment un élément qui est essentiel, enfin qui marque notre période actuelle, qui a fait irruption dans nos vies, qui bouleverse tout et qui a un formidable Booster justement d'intensification de valeur d'usage et dont on a parfois du mal à mesurer les implications, c'est le digital. Et pour le coup, Fabrice, là encore, je vais encore continuer à poser des questions idiotes, mais c'est quoi l'espace public augmenté Alors, Christelle, avant de parler directement de l'espace public augmenté, j'ai envie de vous proposer un petit voyage dans le temps parce que c'est intéressant de se poser la question. Le digital dans l'espace public, mais le digital a déjà bouleversé nos modes de vie et notre quotidien. Rappelez-vous, il n'y a pas aussi longtemps que ça, lorsqu'on voulait acheter quelque chose, on devait se rendre dans une boutique, dans un magasin, mais un magasin physique, on rencontrait un vendeur, une vendeuse, un caissier, une caissière. Aujourd'hui, le digital nous permet de faire des achats depuis chez soi, voire depuis n'importe où avec notre téléphone portable, et de pouvoir le recevoir où l'on veut également et cela dans des délais très très courts à l'image de ce que propose Amazon. Nos déplacements. Le digital a totalement bouleversé notre façon de se déplacer. Autre exemple, l'organisation des vacances. Là aussi, il y a peut-être 20 ans, lorsque vous vouliez préparer vos vacances d'été, vous deviez sortir de chez vous, vous alliez dans une agence de voyage. Le voyage commençait à l'agence. Aujourd'hui, on le fait depuis chez soi, à travers des plateformes comme Airbnb ou Booking. Euh, les déplacements ont été modifiés aussi à l'échelle de, bah, de la ville. lorsqu'on voulait avoir un taxi, on était tout simplement sur le trottoir à le heller. aujourd'hui, on prend son téléphone et on utilise uber par exemple. Bien évidemment, le digital a bouleversé la communication et nos modes de communication. Et pour faire un lien avec l'espace public, on le voit bien, le fait qu'on ait tous maintenant des téléphones portables, ça a eu comme conséquence la disparition des cabines téléphoniques. Mais le digital, donc on le voit, nous a apporté énormément de nouvelles choses et de nouveaux services. Le e-commerce, les réseaux sociaux, le gaming, le télétravail, la télémédecine. Et c'est bien tout ça qui a bouleversé nos modes de vie. Alors dans l'espace public, euh, le digital bien évidemment euh, bouleverse également ce, ce dernier et ça se traduit autour, enfin, ça se travaille autour de trois grands aspects de notre point de vue. D'abord les nouveaux usages, j'y reviendrai dans quelques instants. Deux, euh, en termes de données, on, a des, on recueille énormément d'informations au, avec, avec, au travers le digital euh, dans l'espace public, des informations ascendantes et descendantes. Et puis en troisième point. La conception. On ne conçoit plus comme avant l'espace public, bien évidemment, et notamment le digital aide à cette conception avec la modélisation 3D, la fameuse maquette numérique qu'on entend beaucoup parler dans, dans nos métiers ces dernières années, mais facilite également l'élaboration, j'ai envie de dire, citoyenne, avec une plus grande facilité aux concertations citoyennes, et je sais que notre marraine y est particulièrement attachée. Alors. Dans l'espace public, euh, la digitalisation doit être au service des citadins, des usagers, ça c'est une certitude. Et on a déjà euh, finalement un certain nombre d'usages qui sont euh, plutôt pertinents. Euh, pour commencer, l'orientation. Aujourd'hui, je pense qu'on utilise quasiment toutes et tous, qu'on soit à pied, à vélo ou en voiture, euh, des applications de géolocalisation. Euh, le digital dans l'espace public, c'est aussi de l'information. On a euh, des informations municipales, culturelles, touristiques, sportives. On a accès à une mine d'informations. Ça nous permet aussi, dans certains cas, d'interagir avec des services municipaux. Beaucoup de communes ont mis en place des systèmes où euh, bah, les, les riverains peuvent déclarer des sinistres ou des désordres en voirie, ce qui permet de mener des actions par les équipes euh, municipales. Et donc, finalement, chaque citoyen a. Bah, à sa manière, contribue à entretenir et maintenir la ville en bon état. Euh, la, le digital a aussi permis dans l'espace public de renforcer le sentiment de sécurité. On a beaucoup parlé de vidéosurveillance, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais au-delà de ça, des applications comme Mon Chaperon permettent d'alerter en cas d'agression ou de harcèlement. Évidemment, c'est un grand sujet. Hein, je citais Hubert tout à l'heure. Euh, la digitalisation dans l'espace public pardon, permet d'optimiser les trajets urbains en nous aidant à mieux utiliser les transports en commun ou euh, les transports partagés. Ensuite, la digitalisation a permis de faciliter euh, l'inclusivité des villes avec une application comme Streetco qui facilite euh, la vie au PMR pour leur permettre de mieux circuler plus facilement. On le voit donc, le numérique est une véritable chance. Pour la ville et l'espace urbain. Alors, Fabrice, j'entends bien ce que tu dis sur la chance liée au numérique. C'est vrai qu'il y a une vraie puissance. Hein. De la mise en réseau que permet le digital pour améliorer la conception, et je, suis, je suis trop loin, la conception, la gestion et puis tout simplement l'expérience de la ville. Mais moi, je suis une grande lectrice de SF et puis j'aime bien un peu les, les versions dystopiques. Et je crois que l'actualité, en plus, le meilleur. on en parlait tout à l'heure quand on est arrivé justement, il y a vraiment l'effet de l'actualité. Bon, moi, quand je pense à l'exploitation du digital qui est faite dans les villes chinoises, moi, je me dis quand même qu'Orwell n'est plus très loin et qu'il y a quand même quelques questions à se poser. dans, dans voilà, Qu'est-ce qu'on fait du digital dans l'espace public urbain Alors, tout à fait, Christelle. J'ai à la maison aussi une grande fan de science-fiction, donc je connais bien Orwell et notamment 1984. Alors, euh, évidemment, il faut être très clair, le numérique peut aussi être une, une menace, il faut en être conscient. Car, notamment au travers le flux important d'informations, euh, bah ça peut remettre en cause certains principes évidents de, de liberté. On a un certain nombre de retours d'expérience, notamment ces dernières années, des smart cities hein, qu'on a vu puller à travers la planète, de la Corée du Sud au Canada, et ces retours d'expérience sont très divergents et très contrastés. Mais ils mettent tous en avant un point commun et une question c'est. Une double question finalement, c'est la question de la vie privée et de la sécurité des données. Donc c'est quand même plutôt, euh, plutôt rassurant. Euh, en plus, il faut aussi savoir que la digitalisation nous expose notamment à des risques d'isolement. Ça semble évident, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. Je citais l'exemple des commerces tout à l'heure. La digitalisation euh, nous lim limite nos interactions sociales euh, réelles, donc c'est un danger. Et puis bien évidemment, on l'a vu avec euh, le, le scandale Facebook, il euh, y a un risque de marchandisation. Alors Christelle, tu évoquais la Chine. Euh, J'ai envie de dire, heureusement, en tout cas c'est mon point de vue personnel, nous ne sommes pas en Chine et on n'en est pas encore à, à ce, à ce niveau-là. Effectivement, la Chine a un projet, euh, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, de finalement une sorte de super smart land où euh, on va noter, ils veulent, en tout cas ils ont l'ambition de noter les, les citoyens en se basant sur un réseau de vidéosurveillance sur l'espace public, où ils ont l'ambition d'installer 600 millions de caméras sur l'espace public. 600 millions en plus de ce qui est existant, bien évidemment. Euh, avec un système finalement de bonus-malus, comme on peut le connaître en, en Europe avec euh, l'assurance. Je traverse en dehors des clous, euh, j'ai des points en moins, je fais une bonne action, j'ai des points en plus, et puis avec des sanctions ou des bons points lorsque je suis un, un bon élève. Oui, donc c'est un vrai grand danger. Mais j'ai confiance en, en l'être humain et j'ai envie de dire, heureusement, l'histoire de l'humanité nous l'a prouvé. Et tu le disais, on l'évoquait tout à l'heure autour du café. Les événements actuels en Chine autour des restrictions liées à la pandémie prouvent que l'homme sait aussi se révolter. Et je crois savoir qu'il euh, fallait remonter à 1989 et Tiananmen pour ne pas voir une telle révolte en Chine, donc j'ai espoir qu'on soit vigilant par rapport à ce qui se passe actuellement en Chine. Alors, l'avenir de la digitalisation dans nos villes et dans nos espaces publics, on était tous unanimes, cette transformation digitale va continuer, c'est inéluctable, elle devra rester au service des usagers, des citadins, et participer avant tout au mieux vivre, au mieux vivre sa ville, et en répondant aux enjeux sociétaux contemporains, à savoir... L'égalité entre chacun, la transition environnementale, la facilité des usages, la culture et la sécurisation. Mais on s'est rendu compte que ça doit rester encadré, notamment par les autorités publiques, par exemple, pour Pas garantir Brice, nos droits et, et éviter les dérives, je le sais. Mais je le savais avant de partir. C'est ça, c'est le problème quand on se lance dans la dystopie. Mais écoute, merci beaucoup. Bon, en tout cas, moi, ce que je retiens là, de tout ce qu'on vient de dire, c'est qu'on parle d'intensification, on parle de nouveaux usages, de nouvelles exigences. Enfin, moi, je retiens que, du coup, qu'il y a une vraie complexité à combiner tout ça, et que pour le coup, il y a des risques de conflits qui émergent. On vient de parler des risques digitales, mais il y en a d'autres. Euh, donc moi j'ai une première question d'abord pour Marie, c'est bah, du coup quel impact sur la gouvernance de, 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 de cette nouvelle complexité à gérer et des risques Et enfin il y a quand même aussi une notion je pense qui apparaît très fort, c'est justement cette remise en cause des frontières et des responsabilités. Je crois que un, on en a parlé un petit peu, mais pour moi, on est dans l'ère du co. On co-gère, on co-conçoit, on co-. -gère, on co, on co voilà. Euh, ça veut dire que derrière, il faut imaginer de nouveaux montages. Et derrière ce nouveau montage, il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent. Alors, Marie, justement, <laughs> dis-nous un peu plus. Bonjour à tous. Donc, euh, relatif justement à la vocation des partenariats privés et publics dans la fabrication et l'exploitation des espaces publics, on a eu de très nombreux échanges euh, pendant les séminaires, au gré, de, au gré des interventions, avec des éclairages. Euh, plus ou moins différents. Alors, euh, le premier éclairage a été la nécessaire adaptation de la gouvernance, les modalités de financement et également euh, les modes de gestion. Ce que l'on a pu retenir de notre côté sur les APUI, les, euh, les appels à projets urbains, euh, donc, de type euh, réinventons euh, la métropole, euh, réinventons Paris pardon, ou inventons la métropole, et, ben, et depuis peu euh, réinventons les, les cœurs de ville, hein, c'est que l'on a permis à des acteurs euh, fabriquant euh, la ville de converger vers un modèle. Ce modèle il est innovant et euh, donc euh, Virginie euh, parlait énormément des usages. Euh, il est innovant dans la compréhension, sa compréhension des usages et aussi dans l'efficacité euh, de son impact environnemental. Donc ce modèle économique, il nous a permis aussi de répondre à des objectifs aussi bien euh, du secteur privé que du secteur public. Et cette hybridation, ça a permis en fait, de remettre, euh, remettre l'usager final, euh, final au centre de, euh, du projet, mais surtout euh, de mettre l'espace public au service de cet usager. D'accord. Moi, je comprends ce que tu dis. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile déjà d'articuler des compétences pour créer de l'intelligence collective, mais moi, je crois quand même que souvent le bas blesse quand on aborde une question très simple l'argent. <laughs> Donc, euh, je crois qu'on a pense tous cette conviction ici que la qualité de l'espace public est le vrai déterminant de la, la valorisation immobilière. Mais justement, quelle piste on fait pour, pour enfin, financer cette, cet espace public qui est créateur d'une valeur immobilière qui est souvent privée Alors si tu peux me permettre, je vais juste un tout petit peu euh, compléter mes propos de juste avant. Bien sûr, je suis désolée, bon. j'étais trop vite. C'est pas grave. Ce Donc, ce mode projet, en fait, a permis d'agréger un certain nombre de compétences. Je pense qu'il se parlait peut-être un peu moins euh, des start-up avec des urbanistes, avec des promoteurs, avec des entreprises de, du secteur économique, euh, solidaire et social. Euh, et toute cette in intelligence collective, en fait, elle s'est déployée, mais euh, ne, nous y, ne nous y trompons pas. Je pense qu'elle s'est déployée à travers l'initiative du public sous sa gouvernance et à travers bien sûr une ambition, une garantie de, de l'ambition du projet. Donc, il a fallu dès lors que la, la confiance règne entre les parties prenantes et il paraît à tenir était bien de pouvoir construire ces, ces relations contractuelles avec l'ensemble de ces panels des acteurs. Donc, euh, ce que je voulais juste dire sur, le, sur, le, sur la gouvernance, c'est que la, la gouvernance demeure agile pour répondre à l'enjeu de l'hybridation des usages de l'espace public. Et pour revenir à l'argent, je suis désolée, hein, mais soyons pragmatiques. Donc, euh, nos, nos discussions nous a poussé à dire quand même qu'il fallait s'affranchir des modèles classiques qu'il fallait euh, faire émerger des, des modèles beaucoup plus adaptés ad hoc, des modèles hybrides. Euh, la notion du coût global, euh, la notion du coût global de, qui intègre le cycle de vie des ouvrages, euh, vraiment nous, nous impose en fait. <coughs> De, de, de prendre cette notion qui nous est aujourd'hui assez familière euh, et on sait maintenant que les coûts d'exploitation sont importants par rapport à l'intensité des usages euh, voilà qui avait été euh, présenté par virginie, virginie avec la chronotopie et, euh, et le fait qu'on puisse utiliser un espace public euh, de manière de plus en plus intensive donc dès que l'on imagine une hybridation des usages sur l'espace le, sur public ben, on en déduit que peut-être qu'on pourrait cofinancer euh, qu'on finançait en fait le, 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 le coût d'exploitation et, euh, et ça serait peut-être une réponse et on pourrait se dire aussi que ce, ça ne sera pas une dépense mais bien une recette euh, une recette d'exploitation euh, ce qu'on a regretté aussi et je pense qu'il y a eu, euh, il y a eu euh, une vraie investigation euh, sur ce sujet là sur les montages existants de certains espaces publics qui demeurent agiles on, on prend pas assez en compte les externalités positives de ces espaces publics ces externalités positives sur le bénéfice de la santé, sur euh, les espaces verts euh, et sur peut-être voilà la, la proximité des, des transports. Donc l'espace le, le, public, on se l'est dit, euh, euh, donc est un, est un objet évolutif et il est nécessaire de réfléchir euh, vraiment aussi à une évolution de son financement dans la durée. D'accord. Justement, tu viens de dire, on ne prend pas assez en compte les externalités positives et notamment la dimension nature des espaces publics. Tout à l'heure, Fabrice parlait de Smart City, et donc de la tentation du digital pour intensifier l'espace public. Moi, au-delà des risques qu'on a évoqués tout à l'heure, je pense qu'il y a aussi une limite à la digitalisation de l'urbain, qui est quand même une des grandes tendances. La Smart City, ça a été un moment quand même un modèle extrêmement fort. Moi, dans cette tendance-là, je vois qu'il y a un risque qui est celui d'artificialiser encore plus notre rapport à la ville. Euh, la ville augmentée un peu, enfin, c'est un peu une ville dénaturée. Et euh, je sais que c'est le thème du cycle 2023. Émilie, c'est pour ça que tu clôtures notre table ronde. Euh, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, justement, euh, l'impératif écologique, l'impératif environnemental est en train de véritablement transformer... Euh, l'appréhension des, des relations entre la ville et la nature euh, Oui, c'est vrai. Et en même temps, on peut se dire que le, les, les travaux du groupe de cette année ont été assez paradoxaux euh, sur, de ce point de vue-là, puisque finalement, le, le renouvellement de, du rapport entre ville et nature a été assez présent en filigrane de toutes nos discussions, un peu comme une évidence. Euh, mais, mais finalement, a-t-on vraiment changé de paradigme euh, donc en effet, hein, on a beaucoup évoqué la question du rapport euh, de la ville à la nature, alors sans rentrer dans des débats savants hein, sur le rapport nature-culture et, et définition savante de la nature, mais tout simplement le rapport au vivant, à la faune, à la flore et le rapport au cycle euh, de naturel, le cycle des saisons, de l'ensoleillement, le cycle de l'eau et les cycles de la terre. Donc on a, on a beaucoup évoqué ces questions-là, on a parlé euh, de désimperméabilisation des sols, de végétalisation des espaces publics, on a parlé euh, de... Tamponnement des eaux et, et de, du, du cycle de l'eau, euh, bien sûr, parce que cet impératif écologique nous, nous commande de nous, de nous y associer. Euh, pour autant, euh, est-on vraiment aujourd'hui dans la révolution culturelle de l'aménagement et, et de l'urbanisme qu'il qui faudrait euh, atteindre euh, Peut-être pas. On a eu euh, pourtant des, des travaux qui nous ont menés sur cette euh, piste-là. Euh, Hervé Lebras nous a rappelé que finalement la structuration des villes françaises est extrêmement liée au au cours d'eau et au fleuve, même si c'était plutôt pour des raisons économiques écologiques mais ça, ça doit nous, nous, nous inspirer, en fait, pour retrouver le, le lien des, des villes à, à la nature, parce que finalement, la, la ville moderne et la ville européenne est quand même plutôt réputée minérale et, et, et peu liée à la nature. Elle est même parfois une négation du, du lien à la nature. Pour autant, si on réfléchit bien et Martin Vanier nous L'a rappelé, hein, euh, la ville française, ce ne sont pas que des villes, hein, c'est un système urbain dans lequel on a euh, des espaces naturels et des espaces périurbains. Et d'ailleurs, euh, Rennes Métropole en est un très bon exemple. Et, et donc, euh, finalement, euh, repenser nos rapports euh, aux villages, aux périurbains, aux espaces naturels dans des systèmes en, en réseau, euh, comme nous l'a aussi invité à le faire euh, Agnès Sinaï en nous parlant des, des biorégions, c'est certainement aussi une façon de réintroduire euh, la nature. Dans, dans nos façons de penser la ville, de repenser les solidarités euh, et de repenser les écosystèmes plus, plus larges de nos, de nos territoires. Euh, donc on a eu ce, ce, ce type de, de, de réflexion. Euh, mais euh, pour autant, on nous a aussi euh, démontré l'effondrement de la biodiversité. Euh, Pierre Darmet nous en a parlé, euh, et notamment, cet effondrement est lié à la perte d'un lien quotidien et d'un lien, euh, je dirais, affectif avec le vivant. Euh, et, et donc, les, les villes ont aussi cet enjeu de retrouver un lien avec la faune, la flore, le, le, le cycle des, des saisons. Euh, donc, finalement, le, 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 le droit à la nature et, et, et le nouveau droit à la ville s'interpénètrent. Euh, et, euh, et je crois qu'il faut qu'on arrive à pousser ces, ces réflexions euh, sur, sur ce sujet et euh, plus seulement verdir hein, les, les espaces publics euh, comme on peut le faire euh, ouais. partout. Ouais. En fait, moi, bah, ça, si je comprends un peu ce qu'en en train de nous dire, c'est que finalement, dans ce rapport entre ville et nature, c'est qu'on est en train de sortir un peu d'un rapport de mise en scène, de théâtralisation, hein, verdir la ville, et qu'on est en train péniblement, difficilement, lentement, peut-être trop lentement, de, de, de rentrer dans un, une approche de type euh, écosystémique, avec des, des, des enjeux, des difficultés, euh, des compétences euh, réelles. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus Et puis après, on termine. En effet, si on ne veut plus seulement verdir les espaces publics, mais bien faire de la vie un écosystème, l'enjeu est une véritable révolution culturelle en fait, dans l'aménagement, où finalement les écologues, les paysagistes, les hydroliciens, les spécialistes du génie écologique deviennent des acteurs premiers de l'aménagement et des acteurs, je dirais majeurs de la décision politique et opérationnelle sur les sites d'implantation, sur la forme de la ville euh, et sur euh, sur la forme du, du bâti. Donc je pense qu'on n'en est pas encore là et je pense que c'est encore un, 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 un thème à explorer et euh, il est heureux que euh, ce soit le thème de euh, l'année à venir de, de l'Institut Palladio. Écoutez, merci. Merci à, à tous les quatre. Je crois que maintenant, euh, bah, oui, je vous, je vous demande de les applaudir parce que c'est pas facile. Et moi je suis super. Alors, je crois que. En tout cas, merci, merci à tous pour vos inventions. C'est du boulot. J'y étais, donc je sais que c'est un, un, un vrai travail. Alors, je suis perdue, mais je crois que maintenant, il est temps pour moi d'accueillir notre, notre marraine, votre marraine de cette année, Nathalie Perry, qui est maire de Rennes, maire de la métropole de Rennes. Également, et qui a eu le plaisir, la gentillesse, et j'ai cru comprendre et le, plaisir, le, et le plaisir, plaisir, plaisir. Et puis pour les auditeurs plaisir. aussi, je dirais la, la, le privilège de, de développer une super masterclass. Je, je vous laisse la parole pour quelques minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à, à toutes et tous. Monsieur le président de la Fondation Palladio, cher Bertrand de Fédot, monsieur le vice-président, messieurs les directeurs de l'Institut. Et de la Fondation, cher monsieur Gauchet, monsieur le bourgmestre de Bruxelles, cher Philippe, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver ce matin dans ce formidable écr écrin des Bernardins. Monsieur de Fédot, je sais qu'il vous est cher, mais c'est toujours un, un immense plaisir. Un an après. Ce passage de témoin, de relais, avec Édouard euh, Philippe. Je, je veux vraiment en, en profiter pour vous remercier très sincèrement de m'avoir permis euh, de cheminer, de voyager. On a parlé euh, de rencontres, de voyages tout à l'heure, de voyager euh, avec vous euh, pendant cette année. On n'a pas toujours, je dois le dire, dans les fonctions qui sont les nôtres, l'opportunité euh, de lever le nez du guidon et de, de prendre. Euh, simplement euh, le temps de réfléchir un peu, de, de partager, je, je ne dirais pas de conceptualiser, parce que euh, nous faisons partie euh, non pas de ces gens qui euh, contribuent, euh, cher Monsieur Gaucher, à la réflexion intellectuelle, mais bien de celles et ceux euh, qui, euh, au regard de euh, leurs conviction, de l'idéal euh, qui les anime, mais aussi euh, de la rencontre avec tout ce qui se produit et se dit, sur la ville essayent de faire en sorte simplement chaque jour que la ville dont ils ont la charge se transforme et puisse devenir meilleure au bénéfice de toutes et toutes. Donc merci vraiment beaucoup de m'avoir permis de partager ce chemin exigeant qui est celui de la Fondation Palladio avec vous. Et je suis aussi particulièrement heureuse de ce passage de témoin avec Philippe Cloch. cher Philippe. Nos villes n'ont pas l'occasion beaucoup, je, je dois le dire, de se côtoyer. Et elles ont pourtant en commun, de toute évidence, un même idéal européen. Nous aimons à, à rappeler à Rennes à quel point nous avons l'Europe chevillée au, au cœur et au corps. Et de manière peut-être un peu plus légère, je dirais que nous poussons euh, cet idéal européen euh, jusque dans l'amour commun que nous avons du football, puisque euh, je suis particulièrement heureuse de saluer le parcours exceptionnel de l'Union Saint-Gillois. Je crois que ça fait 58 ans euh, que vous attendiez cette dimension européenne. Et, Peut-être euh, aurons-nous euh, le plaisir et l'avantage de participer en commun à une même rencontre euh, de euh, la Ligue européenne de, de football, puisque nos deux équipes pourraient, alors nous il nous faut passer par quelques barrages, mais une formalité, avoir le, le plaisir de s'affronter. Et, et ce sera l'occasion aussi de, de mesurer que euh, nos complémentarités... S'exprime jusque et y compris dans la gastronomie de nos supporters. Puisque, quoi de plus complémentaire en quelque sorte que la galette saucisse à laquelle nous sommes particulièrement attachés et les frites qui ne manquent jamais d'accompagner cette spécificité culinaire et formant en quelque sorte une espèce de euh, d'équipe complète, de, de mythologie, euh, comme aurait pu le dire Roland Barthes. En tout cas, quelque part aussi un, un même signe d'appartenance à, à un territoire, de reconnaissance dans un territoire. Alors oui, alimentation, sport, a priori une digression pour les, les besoins d'un début de discours, mais pas uniquement. Je crois que ce sont aussi des vecteurs de convivialité, de mixité, qui font parfois office de religion moderne, et je le dis en ces lieux, tant ils ont ce pouvoir de rassembler, de fédérer la population qui, pour cela, n'hésite pas à prendre possession de l'espace public souvent pacifiquement, parfois, et je sais que c'est dans ton actualité avec quelques débordements, mais, mais nous y voilà, à cette notion d'espace public et d'appréhension populaire de, de l'espace public. Je le disais, alimentation-sport, je pense par exemple aux marchés, aux chefs qui sont en train d'investir les rues pour y préparer des repas, à la vue de tous, je pense sur d'autres champs, aux marathons, aux courses urbaines au nombre croissant de cyclistes dans les villes, aux cours de sport dans les parcs, aux volontés aussi que l'on voit se multiplier pour pousser la culture et l'éducation à sortir des musées, des salles de spectacle, des écoles, pour investir la ville et recréer du lien. Ces initiatives sont, je crois, d'autant plus importantes que la ville n'est plus aujourd'hui, forcément ou en tout cas spontanément, le lieu de l'expression démocratique et populaire qu'elle a pu être autrefois. Pour protester, exprimer leur mécontentement. On a beaucoup parlé de la Smart City ou de la ville digitale. Un hein, des autres aspects, c'est qu'aujourd'hui, nous nous précipitons davantage sur les réseaux sociaux que nous ne descendons dans la rue. Et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'une pétition en ligne ou un tweet, ont la même visibilité, mais aussi la même universalité qu'une manifestation exprimée dans les rues de nos villes. Cela a été dit par les uns et les autres, nous sortons, enfin je ne sais pas d'ailleurs si l'on peut dire que nous sortons. En tout cas, nous avons éprouvé une pandémie qui aura évidemment bouleversé nos vies individuelles comme collectives. Là encore, les restrictions sanitaires en matière de déplacement et d'interaction. Ont certes contribué à nous montrer que ce dont nous étions privés nous manquait, mais ont aussi contribué à accroître l'isolement de beaucoup de nos concitoyens. Et je lisais comme vous cette étude récente de la Fondation de France qui montre qu'un Français sur quatre dit souffrir de solitude aujourd'hui, et y compris d'ailleurs au cœur de nos villes, ce qui est un chiffre deux fois plus important. Qu'il y a dix ans et qui dit aussi peut-être beaucoup de notre rapport au commun, de notre rapport à l'espace public. Et je crois pouvoir porter le constat lucide que la ville relationnelle, la ville du lien que vous avez citée, c'est ces dernières années relativement affaiblie. On pourrait y ajouter d'une manière générale que l'espace public, n'est pas forcément et là encore spontanément si l'on y prend garde le lieu de la mixité qu'il a pu être par le passé dans l'histoire plus ancienne de nos villes et qu'il est aujourd'hui socialement plus valorisé d'occuper des espaces privés cossus que l'espace public ce qui est une conception très différente celle qui peut s'exprimer par exemple dans quelques pays du sud où la rue est davantage perçue comme un lieu de fête, de retrouvailles et d'animation collective que comme un lieu de nuisance voire de menace tel que nous pouvons l'appréhender ou le ressentir aujourd'hui. Eh bien face à ces constats et c'est ce que je voulais partager avec vous, j'ai le sentiment que l'espace public au sens physique du terme, cette notion a été évoquées par les uns et les autres, incarnent moins qu'auparavant l'espace public au sens abermacien, au sens démocratique du terme. Et pour autant, pour que la ville réponde aux défis sociaux et écologiques qui se posent à elle, elle ne peut être qu'un simple lieu de vie, qu'un simple espace d'émancipation individuelle, mais elle a besoin de redevenir un lieu de réflexion, un lieu de rencontre, un lieu collectif, et le lieu même d'exercice de la démocratie. Je voudrais illustrer mon propos en prenant trois exemples de domaines pour lesquels je crois que ces dernières années, dans la dynamique de néolibéralisation des villes que beaucoup de chercheurs ont, ont su décrire, les intérêts privés ont pu prendre le pas dans le cœur de nos espaces sur l'intérêt général. Alors, trois, trois exemples très différents, mais empruntés à nos expériences urbaines comme à nos ressentis individuels, la publicité, la voiture et le logement. Je cite ces exemples parce qu'ils nous poussent à des constats lucides en même temps euh, qu'ils, moi, m'inspirent une forme d'optimisme avec le sentiment que nous sommes précisément dans cette phase de prise de conscience et dans cette phase de reconquête pour remettre du lien du collectif, du public, après que nous ayons peut-être été tentés de les faire disparaître. La publicité. Critiquée évidemment pour son impact sur le paysage, sur l'environnement, sur la biodiversité. Chacun connaît ces études qui nous montrent les corrélations funestes entre panneaux lumineux et disparition des insectes. Cette publicité, elle incarne aussi, comme l'aurait dit Habermas, la dimension constitutive de la société bourgeoise, autrement dit, pardonnez-moi, ces élans collectivistes, participant à l'aliénation des individus en les réduisant à des valeurs marchandes, en les incitant à la surconsommation et en leur imposant peut-être une forme illusoire de modèle du bonheur. Et bien aujourd'hui, les villes entreprennent progressivement de réduire la place de la publicité dans l'espace public où elle est partout sur le mobilier urbain comme d'ailleurs dans les transports en commun et c'est peut-être une solution modeste mais néanmoins résolue et parmi d'autres pour un espace public qui pourrait redevenir plus démocratique au sens de plus critique. Et euh, moins centré sur la satisfaction du besoin individuel. De Deuxième exemple de cette reconquête progressive, après que nous ayons fi laissé filer notre espace collectif, la voiture individuelle, qui, en plus, et je n'ai pas besoin d'en faire la démonstration ici, d'avoir elle aussi un impact sur le visage de nos villes, sur l'environnement, incarne. Aussi, depuis euh, le XXe siècle, une forme de liberté, raison pour laquelle d'ailleurs les femmes en ont longtemps <laughs> été privées, mais aussi une forme de puissance, je ne sais pas, en tout cas de maîtrise de soi dans l'imaginaire collectif, et autant d'ailleurs de valeurs profondes que nous avons intériorisées les uns et les autres dans le rapport à l'automobile et qu'il est très difficile de combattre lorsque l'on tente, pour des raisons écologiques et de reconquête de l'espace public, d'inciter les gens à laisser leur voiture au garage pour emprunter les transports en commun ou avoir un usage plus collectif à travers le covoiturage. Et pourtant, avec la hausse des prix des carburants, la voiture est moins perçue comme une liberté que comme une dépendance pour ceux qui vivent loin des cœurs de nos villes. Et à cet égard, Sylvain Grisot, que vous avez, je crois, mobilisé dans, dans vos travaux, un urbaniste particulièrement inspirant, lie l'occupation des ronds-points par les Gilets jaunes à la manière dont nous avons aménagé nos territoires et nos territoires urbains tout au long du XXe siècle en créant des zones périurbaines d'où a pu naître un certain sentiment de relégation. Troisième exemple que je voulais citer, je sais que beaucoup y travaillent, la question du logement. Alors vous allez me dire, logement, espace public, on est peut-être à la limite euh, du point de, de friction de, de la frontière entre espace privé et espace public. Et pour autant, de la mixité des logements en périphérie de l'espace public dépend aussi la mixité de la fréquentation de l'espace public. Alors, le logement, évidemment, qui a pu incarner une certaine forme de satisfaction des besoins individuels, même si je ne vous propose pas de refaire ici le débat sur le droit de propriété. Simplement, je voulais vous faire, parce que c'est aussi le rôle que vous m'avez assigné en qualité de marraine, vous faire un retour d'expérience simple sur une concertation. Que nous sommes en train de mener aujourd'hui, comme beaucoup de villes, pour renouveler notre programme local de l'habitat. Concertations qui sont toujours complexes, importantes, parce qu'on redessine aussi le futur de nos villes à travers ces programmes locaux de l'habitat. Et très, très souvent, notre rapport à la population sur ces questions de densité, de construction, se limitent à quelques oppositions bruyantes qui ont un accès facilité au débat public, à l'espace public, et qui sont souvent l'émanation de collectifs, de propriétaires inquiets de voir arriver de nouvelles constructions et qui vivent le nouveau bâtiment, le nouvel arrivant comme une forme d'externalité négative par rapport à un, à un idéal heureux euh, qui est celui de la ville qui devrait se figer au moment où les uns et les autres ont pu y habiter, ont pu y prendre place. Et, et je dois vous dire une surprise, vraiment, à l'occasion de ces ateliers de concertation, ça fait une dizaine de réunions publiques que je fais, nous sommes 150, 200 à chaque fois depuis quelques semaines, et le besoin qui s'exprime, c'est... Celui d'une régulation publique par rapport à ce qu'est est devenu la préoccupation majeure de la cherté du logement et de la manière dont ça produit de l'exclusion dans nos villes et des modèles sociaux de délitement auxquels nous ne voulons pas assister. Et vraiment, ce besoin de régulation là où on peut penser qu'il n'y a pas plus privé que le logement, ce besoin de réinvestissement collectif et de règles publiques. Pour faire en sorte que la ville maintienne son, sa cohésion et, et sa mixité, euh, est pour moi une heureuse surprise qui me fait dire qu'avec ces petits signaux, ces petites touches, nous sommes en train de nous réapproprier aussi euh, l'espace euh, public. Alors vous l'aurez compris, en, en tant qu'élu local, j'ai pour ma part la conviction qu'une maîtrise publique de la ville, avec. Euh, sa dimension désintéressée, non profitable, et, et sans doute celle qui est à même de créer du consensus, de créer du collectif pour permettre aussi le cadre dans lequel les énergies privées, les compétences privées sont susceptibles de s'exercer. L'action publique, elle trace un cap, un horizon politique, tout en donnant un cadre d'intervention comme un cadre de participation d'ailleurs à la population afin que les intérêts de chacun se conjuguent, se concilient dans ce que je considère encore comme la belle notion d'intérêt général. Car une des priorités de l'action publique locale, c'est notamment de garantir de concevoir une ville pour toutes et tous comme condition d'un espace public démocratique et universel. Et nous le savons, ça a été dit dans cette remarquable restitution par les auditeurs et auditrices, l'accessibilité à la ville n'est aujourd'hui pas garantie de la même manière pour tous les publics. Alors j'aurais pu évidemment citer ce que sont les clivages sociaux. Et ce qu'est aujourd'hui la difficulté, notamment pour les plus modestes ou les classes moyennes, d'habiter au cœur de nos métropoles et voir dans quelle mesure ça vient bouleverser notre modèle politique. Je voudrais m'arrêter à quelques situations autres que sociologiques. Les personnes en situation de handicap, évidemment, qui font encore face à de nombreux obstacles aujourd'hui dans leur déplacement. Vous l'avez cité, j'en étais très heureuse, mais je le redis euh, l'emprunt à la volonté d'appropriation de l'espace public par les enfants. Euh, nous sommes effectivement inspirés euh, des travaux de, de Thierry Paco, euh, qui considère que la ville moderne a bridé les enfants. Nous avions eu, euh, par Véronique Aoum, une brillante démonstration ici aussi à cette tribune l'année dernière de la manière dont. Euh, nous devions repenser ces villes à hauteur d'enfants. Merci pour le clin d'œil. Ce sera effectivement un très bel événement du 13 au 15 décembre à Rennes, que cette réflexion partagée avec chercheurs, urbanistes et éducateurs sur la ville à hauteur d'enfants. Et puis un dernier thème, qui, vous l'avez compris, me tient aussi à cœur, que vous avez évoqué également dans ces remarquables actes, l'espace public féministe. Car là encore, de nombreux progrès restent à accomplir, pas seulement pour lutter contre un sentiment d'insécurité qui serait vécu par les femmes, mais aussi parce que les villes ont longtemps pensé faire du neutre, tout simplement, là où elles faisaient en réalité du masculin sans s'en apercevoir. Et ma conviction profonde, c'est que les défis de l'espace public, outre la nécessité de rendre cet espace plus vert, plus mixte, sont surtout ceux qui vont permettre de refaire société, de faire civilisation urbaine, de retrouver du commun en dépassant la simple addition des individualités. Alors pour cela, oui, il faut accepter, vous l'avez dit, de changer parfois radicalement de modèle, de ne pas seulement mettre quelques touches de vert ici, quelques touches de mixité par là. Pour les besoins du départ d'une de mes collaboratrices, il y a quelques mois, j'ai lu un ouvrage parce que je savais qu'il lui tenait particulièrement à cœur et que pour ma part, je ne le connaissais pas. Il s'agit d'orthodoxie de Gilbert Grace Chesterton. Et j'ai retenu un passage particulièrement imagé que je voulais vous partager. Le conservatisme part du principe que si vous ne touchez pas aux choses, elles resteront telles qu'elles sont. C'est faux. Si vous n'y touchez pas, vous les exposez à un torrent de changements et de dérives. Si vous ne touchez pas à votre poteau peint en blanc, il ne tardera pas à devenir noir. Si vous voulez qu'il reste blanc, vous devez le repeindre régulièrement. Alors probablement que les défis de l'espace public se situent à cet endroit, pour nous élus, pour vous professionnels de la matière urbaine dans une fabrique de la ville qu'il faut globalement et sans cesse repeindre en blanc dans la façon dont nous utilisons les ressources, dans la façon dont nous considérons la terre, le foncier, le sol, les matériaux que nous recherchons, les coûts que nous regardons, dans la manière dont nous associons les habitants et la façon dont nous-mêmes nous décidons. Vous l'avez dit en conclusion, l'urgence climatique accentue encore cette nécessité de faire vivre la démocratie en continu dans les changements civilisationnels que nous avons à opérer. Cette urgence n'est plus seulement décrite par les experts, elle est vécue dans notre chair, par, par nous, par les gens, par les habitants, dans leur quotidien, qu'il s'agisse de canicules, de maladies respiratoires ou de factures énergétiques. C'est cette éco-citoyenneté complémentaire des décisions que nous avons à prendre en tant que responsables politiques ou opérationnels qui nous permettra J'en suis pour ma part convaincue, c'est le moteur de l'engagement, de relever ces défis. Il y a, oui, une reconquête collective et démocratique de l'espace public à accomplir, ainsi qu'un enjeu à l'adapter pour qu'il réponde aux défis de la transition écologique. Et vous avez, dans ce qui est vraiment, cher Pierre, chers auditeurs et auditrices, un, un travail remarquable, singulier. Vous nous offrez des pistes pour poursuivre. La réflexion, euh, cher Bertrand de Fédot, quelle belle entreprise que celle de la Fondation Padaldio, que euh, simplement de nous aider à relever un peu, et chacune et chacun à notre place, les défis du monde. Merci beaucoup à vous. Madame la maire, je vous invite surtout à, à rester sur scène. On d'espace public féministe, il faut aussi que la tribune, <laughs> la scène soit un ah, peu féminine. assurons la parité alors. Exactement, c'est important. Maintenant que j'appelle en effet Bertrand et Pierre à nous rejoindre sur scène pour pour dire quelques mots, vous avez déjà les actes du Colloque, c'est formidable. Je, je les ai, oui. Bertrand me les a remis. Merci vous coucou. les avez déjà. Merci à vous. Merci. Merci. C'est écrit. écrit. Oui, 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 parce que voilà. Moi, je suis vraiment impressionné quand j'écoute une restitution comme cela, parce qu'on mesure dans les propos de tous ceux qui interviennent, à la fois les auditeurs qui essaient de restituer ce qu'ils ont vécu, notre marraine qui vient de faire un exercice magnifique. Et je trouve que de ce que j'ai entendu ce matin, on a beaucoup parlé de, de l'espace public. On a moins parlé de la ligne qui est au-dessus pour une civilisation urbaine. Et je trouve que voir les acteurs de la construction de la ville que vous êtes, les auditeurs, se pénétrer pendant une année de cette problématique de l'espace public dans la perspective d'une considération positive de la civilisation urbaine pour une civilisation urbaine. Je trouve ça extraordinairement réconfortant. Je sais que le, le vrai fruit de ce travail d'un an autour de pierre, ce sera votre travail. Ce sera la manière dont vous allez réaliser chacun dans vos domaines, que vous fassiez de la logistique, du logement social, euh, des bureaux, euh, de l'aménagement. Comment vous allez intégrer davantage la notion d'espace public. Je pense que retournant à, votre, à vos équipes, à votre travail, vous ne pourrez plus regarder la ville comme avant. Et ça, je trouve ça une richesse incroyable. Le principal résultat de ce travail, c'est bien sûr cela, et je m'associe au compliments qu'a fait Nathalie à Perret, Ce document est d'une qualité extraordinaire. Euh, c'est très difficile de restituer... Un an de travail sur une question aussi vaste. Vous voyez, euh, en vous écoutant ce matin, me venait une belle image, vous savez, de euh, ces peintures de Klimt, le grand peintre, euh, qui nous permettent, à partir de fines touches, de voir apparaître une magnifique silhouette féminine. La ville, c'est ça. C'est toutes ces touches que vous apportez et qui nous permettent de faire euh, euh, apparaître. Une silhouette que nous construisons ensemble et qui est une silhouette désirable. Voilà, merci beaucoup en tout cas à Nathalie, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, parce que ici nous sommes dans un contexte moins officiel et plus amical. Merci de ce que vous avez fait, merci de ce que vous avez apporté. Et les mots que vous avez exprimés tout de suite, je trouve, traduisent la profondeur de votre approche sur la question urbaine et plus que ça, la volonté de la partager. Avec non seulement euh, vos, vos citoyens, euh, René, mais également avec les acteurs que que nous sommes tous dans cette salle, en vue de faire euh, une ville plus ouverte, plus accueillante, et de bâtir ensemble une vraie civilisation urbaine. Merci infiniment, et j'espère que vous resterez très paladienne. <laughs> Madame la maire. Pierre, je vous invite à vous rapprocher de devant de la scène. Nous avons une photo à réaliser. Voilà, si vous pouvez, pour la remise des actes, les actes qui vous seront également remis à la fin du colloque. Écoutez, merci à vous, merci beaucoup. Bah, il est temps maintenant de prévoir le passage du, du flambeau. Madame la maire, je vous invite à, à rejoindre la salle et je demande maintenant à, à Philippe Claus Bourgmestre de, de Bruxelles. De nous rejoindre, qui est le nouveau parrain du cycle 2023 euh, de Palladio. Ah, oui, je me disais je aussi, suis désolé. Bah, je vous avais dit, voilà, c'était. Il a fallu, j'avais prévenu qu'il y aurait forcément une gaffe à un moment. Je l'ai faite. Voilà, monsieur le bourgmestre, euh, ce n'est pas une formule de dire que nous sommes vraiment honorés de votre présence. Nous avons, depuis 13 ans, travaillé à la Fondation Palladio et notamment dans son institut sur la question urbaine. Nous nous sommes vraiment, je crois, attachés à parcourir des aspects très différents, avec toujours un petit regret de dire, au fond, c'est bien qu'on travaille sur les villes de France, mais il faudrait qu'on aille un petit peu au-delà. Et puis, euh, notre premier réflexe, alors, vous savez, le, le choix d'un par c'est toujours un exercice difficile parce que tout le monde donne son avis. Mais il y a, il y a une convergence qui s'est faite immédiatement sur vous. Euh, sur Bruxelles, bien sûr. Hein, sur Bruxelles qui est notre capitale européenne et qui euh, doit relever le défi d'être à la fois une capitale nationale d'un pays qui a un riche passé, un passé compliqué aussi. Et qui relève le défi d'être ce lieu où s'exprime l'existence européenne et son destin. Et ça, c'est entre vos mains. J'étais très frappé lorsque nous sommes allés vous rencontrer. J'avais pas mal travaillé à Bruxelles avant, de regarder cette ville un petit peu autrement et de voir comment elle elle émerge dans un contexte qui est euh, très compliqué sur le plan administratif, ça vous nous l'avez bien fait comprendre quand on s'est vu. C'est pas le monopole de la région Île-de-France, je voulais vous dire. Hein euh... <laughs> et euh, vous nous avez accueillis avec euh, cette cordialité euh, naturelle, à nos amis belges, hein, et peut-être aussi à nos amis bruxellois. Et tout d'un coup, euh, en l'espace de quelques instants, les, les distances se sont affranchies et nous avons pu euh, pénétrer très rapidement les questions que nous voulions évoquer ensemble. Je crois que, vous voyez, le, 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 le mystère de l'Institut Palladio, c'est d'arriver à trouver un lieu à ce point travaillé qui permette à chacun d'apporter son expérience et peut-être que vous en retirerez vous-même quelque chose. J'ose l'espérer. Voilà. Et en tout cas, nous attendons beaucoup de ce que vous allez pouvoir nous dire sur ce sujet extrêmement prégnant, qui est celui de la nature, peut-être même plus de la vie que de la nature, et qui va nous occuper pendant toute une année et marquer une nouvelle étape dans cette construction de la civilisation urbaine. Voilà, donc merci infiniment. Peut-être veux-tu dire un petit mot aussi toi Pierre je ne veux pas prolonger trop ce, ce, ce moment et laisser, je voudrais laisser Philippe Claus nous dire comment, comment il voit cette grande responsabilité de, de, de parrain du, du cycle. Euh, oui, Bertrand, tu l'as dit, il y, y a aussi une forme d'engagement de, de profession de foi européenne dans le fait d'être allé vous voir pour, pour le parrainage du cycle de la part de la, de la Fondation Palladio. Euh, il y a aussi sans doute le fait que... Euh, euh il y a un changement d'image de, 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 de Bruxelles qui s'est opéré au cours des dernières années. On voit d'ailleurs, c'est souvent la jeunesse qui fait, le, qui fait la réputation des villes. Et, et je ne crois pas exagérer en disant que Bruxelles est devenue, au cours, je ne sais pas s'il faut dire les 10 ou les 15 dernières années, une ville qui est vue comme assez hype par les, par les jeunes. Et ça, c'est nouveau. Enfin, vous me contredirez si je me trompe. Mais, et donc, c est, c est, ça aussi, ça fait partie. On suit aussi un peu les modes, il y a des modes des villes et, et en l'occurrence Bruxelles est devenue une ville à la mode, ce qui n'était pas absolument prévisible il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et puis euh, et puis enfin alors le, le, ce qui caractérise Palladio c'est que quand on choisit un parrain ou une marraine, on, on a déjà choisi le thème aussi et donc euh, d'une certaine façon on l'impose <laughs> euh, au parrain ou, ou à la marraine. Alors on ne fait pas notre choix complètement euh, complètement par hasard. Mais effectivement, on sera passionné à l'idée de, de vous entendre le moment venu, lorsque vous aurez la gentillesse de nous accueillir, euh, nous, nous, nous parler de la façon dont vous prenez ce thème de, de la nature. Donc merci, merci infiniment d'avoir accepté de, de prendre la succession difficile de Nathalie Appéré. Je vous dis tout de suite, elle a mis la barre très haut. Hein. Ben merci à vous, merci, monsieur le président, monsieur le vice-président, monsieur le directeur. Et en effet, Nathalie m'a tout de suite dit combien c'était passionnant comme mission. Euh, je voudrais d'abord vous remercier évidemment de m'avoir choisi. Alors, euh, puisqu'on a parlé un peu de Rennes et Bruxelles, donc vous m'avez parlé de football, je vais vous parler un peu de football aussi, donc vous devez savoir que euh, nous avons eu un lien très fort avec le Stade Rennes et Bruxelles, parce que l'autre grand club de Bruxelles, c'est le Sporting Club d'Anderlecht, dont je suis administrateur à titre complètement bénévole. Et le Stade Rennes a eu la délicate attention il y a deux ans de nous racheter Jérémy Doku pour 27 millions d'euros. Je voulais remercier Rennes pour ce grand geste, en tout cas, qui nous a euh, vraiment fait plaisir. Au-delà de cela, euh, vous l'avez dit, mais sur les débats urbains, alors c'est vrai que c'est très intéressant pour nous. Alors on, on, vous savez, il y a très peu de points de carrefour comme ça, où les professionnels du développement, de la réflexion urbanistique, rencontrent les hommes et les femmes politiques. Euh, on est parfois dans des dialogues complexes, parce que les procédures sont complexes par rapport à ça. Or, nous savons tous que nous sommes sur des processus long terme. Donc, euh, si je dois reprendre un de vos grands architectes, je me souviens dans un colloque que j'avais suivi, qui est Alexandre Chemotov, il avait dit il faut apprendre la ville patiente. Or, notre plus grand ennemi, quel que soit le métier des gens dans cette salle, c'est le temps. C'est quelque chose qui nous tue, nous, hommes et femmes politiques, puisque les gens nous demandent des résultats rapides et nous ne pouvons leur dire que non, on ne peut pas aller rapidement dans une ville. Parce que ces mutations sont complexes. Vous venez de dire que Bruxelles, et merci pour ce compliment, avait depuis 10-15 ans une image plus positive. Mais en 2004, pour vous donner un exemple, Bruxelles avait été sélectionnée par une jeune application devenue célèbre qui s'appelle TripAdvisor comme une des villes les plus ennuyeuses du monde. Donc vous voyez que ça peut vite changer. Et ça l'était. C'était une ville complexe, j'y reviendrai dans un de nos séminaires. Maintenant, je pense que votre thème important sur la nature... Doit aussi travailler sur non pas la densité urbaine qui est aujourd'hui un mot qui fait peur, la densité, mais sur ce que beaucoup d'urbanisme développe sur l'intensité des villes. Comment allons-nous rendre des villes intenses pour les rendre plus agréables Comment allons-nous intensifier les relations humaines par rapport à cela La deuxième chose qui me semble très très importante quand on parle de la nature, on pense toujours à l'espace vert, mais la nature c'est celle qui va aussi nous fournir l'énergie de villes de plus en plus décarbonées. Comment va-t-on travailler sur ce mix énergétique que sont la géothermie, que sont la riothermie, que sont les, les, les récupérations d'énergie dans les quartiers énergétiques, que sont aussi le panneau solaire. Donc ça va être tout ça, la nature qui reprend ses droits. Aujourd'hui, bah, comme disait Winston Churchill, il ne faut jamais gâcher une crise. Euh, vous avez bien imaginé que par rapport à ça, il va falloir qu'on réfléchisse. Et la nature a un rôle particulier et le développement. Et c'est ma troisième réflexion. Il est essentiel. C'est que j'entendais dans le panel d'avant qu'on parlait de smart cities. Pour moi, la smart city, ce n'est pas la société digitale, c'est la société de la connaissance. Je pense que nos villes, ce sont les lieux où on réfléchit. Ça a toujours été les villes où on pensait l'avenir de la société. La ville universitaire, la ville de l'enseignement, la ville où justement il y a cette, cet échange. Et ce mix que vous faites avec la nature sur comment va-t-on penser la ville de demain, elle me semble essentielle en passant par ce cycle. Où des scientifiques vont penser avec nous, justement, la projection que nous allons faire de nos villes, puisqu'on le sait, toutes les projections le montrent, que les gens vont vivre de plus en plus en ville. Mais ça n'est pas un malheur. C'est justement quelque chose qui doit se révéler positif. Et là, il y aura sans doute une réflexion. Importante à voir et voilà pourquoi je suis ravi que vous m'ayez proposé de parrainer euh, euh, ce cycle de la Fondation Palaccio, et ravi aussi de connaître euh, cette fondation et de savoir le travail qui est fait, de me plonger dans cet ouvrage que Nathalie a bien voulu, dont elle a bien, elle a bien voulu être la marraine pendant un an. Merci en tout cas pour cette invitation. Je vous, invite, je vous invite à vous rapprocher de, du devant de la scène pour une photo. Je crois qu'il y a une deuxième photo. Une nouvelle photo. Voilà, écoutez, bah, merci Madame la Maire, euh, merci Bertrand. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Il est bien temps de laisser la place à Pierre et surtout à, à Pierre pour la suite pour la présentation justement un peu de, de ce nouveau thème, de ce nouveau cycle qui s'ouvre cette année et des réflexions. Vous avez un petit moment. Il faut vous asseoir. Donc voilà, l'expérience de, 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 de Bruxelles, euh, vous allez... Euh, Lorsque nous, nous, nous viendrons avec le groupe d'auditeurs, euh, euh, nous la raconter, nous l'espérons, et nous la, nous la faire comprendre au regard de ce, de ce prisme qui est celui de, de l'année, à savoir le, la question de la nature. Comment faire la ville avec la nature comme un, L'a évoqué Émilie euh, tout à l'heure, aller au-delà simplement de euh, la scénarisation, en quelque sorte, la végétalisation, mais faire la ville avec la nature. Donc, moi, je ne vous demande pas d'anticiper là-dessus, M. merci bien sûr. Mais euh, juste, on a quelques minutes. Euh, si vous voulez nous dire comment, vous, comment a priori, quoi, vous percevez le, 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 le sujet. Vous avez vu un peu comment on a conçu le programme. On a essayé de, de l'organiser de pour. Euh, euh, on, Comment dire, avoir des angles d'approche du sujet les plus, les plus complets possibles. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire D'abord, de savoir qu'une ville, c'est toujours des chocs. Donc, la, la gestion urbaine, il faut à la fois, comme je l'ai dit, cette phrase de Chemetov, la ville patiente, mais en même temps, des chocs sont provoqués. Le choc du Covid, le choc du réchauffement climatique, le choc énergétique maintenant, qui sont des chocs que malheureusement, on n'anticipe pas toujours et dans lesquels il faut apporter des réactions. Et les villes qui s'en sortiront le mieux, c'est celles qui arrivent à anticiper, mais qui arrivent aussi à produire des solutions. La ville et la nature, aujourd'hui, on est en train d'opposer par moments développement urbain et nature. On le voit tous. Avant, on avait beaucoup de réticences dans les villes sur le développement d'outils tertiaires, type du bureau, des industries. Aujourd'hui, on voit des blocages, Nathalie en parlait, sur la, parfois la construction de logements, même de la construction d'écoles, parce que les gens ont peur de cette densité urbaine qui viendrait manger leur espace, et notamment les quelques espaces de respiration que peuvent être les espaces verts. Je trouve que vous avez dit quelque chose d'important. On n'est pas dans une réflexion d'artificialisation. De la nature dans la ville. C'est comment est-ce que la nature prend sa place. Ça est, à mon avis, le, le plus important, de dire qu'en fait, elle est là, et que c'est la façon dont on va l'utiliser qui va être important. Et vous savez, Bruxelles, ça a été pendant longtemps une ville assez mal aimée. On y reviendra, on va faire un long exposé sur Bruxelles, euh, même mal aimée par son propre pays. C'était ce qu'on appelait, ce que moi j'appelle une ville d'usage. C'est-à-dire qu'on venait y travailler, mais on, on y habitait de moins en moins on créait les grandes autoroutes urbaines. Et puis tout d'un coup, il y a eu un esprit de reconquête de cette ville qui veut se réapproprier son image, ses habitants, ses fonctions urbaines, un peu comme la nature se réapproprie des droits. Et en fait, tout le défi de ce genre de, de, de discussion, c'est de montrer que les deux ne sont pas inconciliables. La radicalité d'une ville ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne doit pas trouver de multiples fonctions. Vous pouvez être une ville extrêmement internationale, ce qu'est Bruxelles. Hein, donc Bruxelles, c'est une ville extrêmement multiculturelle. 184 nationalités, c'est la deuxième ville la plus multiculturelle du monde après Dubaï, comme je dis Dubaï étant un peu plus artificielle, peut-être qu'on est presque la première, on a 104 langues qu'on parle à Bruxelles, on est la première capitale diplomatique, et en même temps on a une vraie croissance de population, ce qui est toujours un indicateur, hein, quand vous pouvez faire du euh, socio-économique, si vous avez plus d'habitants et plus d'entreprises, a priori c'est que votre modèle fonctionne plus ou moins. Il faut toujours faire attention, évidemment, ça peut se retourner. Mais donc, le principe de la nature, comme je le disais, je prenais l'exemple de l'énergie exprès, parce qu'en fait, tout est là. Et qu'aujourd'hui, on sait qu'on va devoir penser les choses. Tout comme vous avez fait un débat sur l'espace public, il est clair que le débat sur l'espace public a explosé avec le Covid. Parce que les gens ne vivaient pas tous dans une villa, à quatre façades avec jardin. Il a fallu repenser aussi quel était l'espace de vie, les terrasses, le fait de pouvoir sortir, la façon dont on construisait euh, les logements. Et bien Aujourd'hui, sous la nature, on nous sent de plus en plus. La façon dont on va utiliser les toits, la façon dont on va utiliser des phénomènes, par exemple, que nous appelons des pocket parks, donc vraiment des parcs de poche qui sont créés dans des petites friches qui sont là, mais qui en fait font des vrais, des vrais lieux de respiration. Mais au-delà de ça, je le répète, c'est la façon dont on va concilier ces différentes priorités urbaines qui va simplement rendre la ville serviable c'est Eric Orsenna dans son bouquin sur les villes qui dit ça, mais c'est quoi la ville serviable c'est cette ville à un moment donné qui est au service non seulement de la population qui l'habite mais aussi de la population qui la fréquente que ce soit des travailleurs, des touristes, peu importe et donc ce phénomène de nature dans la ville, il doit être pris comme un, un, un élément élévateur et accélérateur et pas comme une contrainte La ville serviable est donc aimable c'est bien vers ça que nous euh, nous, devons, nous devons tendre. Écoutez, ce sera euh, ce sera vraiment encore un, un, un grand moment euh, que de, euh, de ce, ce parrainage que vous nous, vous nous accordez pour le pour le cycle 2023 de de l'institut. Euh, moi, je pense qu'on peut euh, euh, maintenant passer à la à la dernière séquence de notre colloque, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, Monsieur oui. le Bourgmestre. Et je vais prier M. Marcel Gauchet de nous rejoindre pour conclure cette matinée. Monsieur le professeur, installez-vous au pupitre, hein bien sûr. Écoutez, je crois qu'il il était depuis 12 ans que l'Institut existe et que nous avons cette tradition d'inviter un philosophe, un grand penseur, pour clore le, le colloque de, de transition. Il fallait. Il était. Absolument nécessaire qu'une que, que année on fasse appel à vous. Mais alors c'était encore plus nécessaire cette année, euh, compte tenu du, du thème hein, de l'espace public. Je ne vais pas prendre du temps pour euh, vous présenter. Je pense que tout le monde ici euh, vous connaît, connaît votre, euh, votre contribution à. Moi, ce que j'appellerais une dominante de philosophie politique, peut-être parce que c'est ma formation initiale, même si vous êtes souvent présenté au moins euh, autant comme un historien et comme un sociologue. Euh, et, 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 et disons à la compréhension de, 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 de ce que c'est que la démocratie et de ce que c'est que le politique d'une façon générale. Euh, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait une, une raison particulière, en tout cas pour moi c'était important, je vous l'ai dit d'ailleurs, c'est que euh, vous avez, outre vos, vos travaux, vous avez été le rédacteur en chef d'une euh, revue qui s'appelle Le Débat, euh, qui pendant 40 ans, a été, je crois, une, une illustration dans les actes euh, de ce que peut être le modèle, un modèle de l'espace public de délibération. Je pense que c'était votre projet, en fait, si je peux me permettre, en fait, tel que je l'ai compris, euh, euh, d'avoir un, un, une revue qui incarnait une capacité à débattre de façon contradictoire et pacifiée. Euh, et pour ma part, je trouve que c'était une, une très très grande réussite. Et ce projet s'est interrompu euh, il y a très peu de temps, euh, euh, donc il y a deux ans maintenant, si je ne me trompe. Euh, et, mais, mais si vous voulez, ça vous qualifiait pas, pas encore plus, si je puis dire, euh, euh, pour clore ce cycle sur l'espace public. Donc vous, vous avez la parole, nous vous écoutons. Merci. Je suis dans une situation difficile. Qui est de résister à la tentation de rebondir sur tout ce que j'ai entendu, qui me paraît bien plus intéressant que les pauvres réflexions en chambre que je vais vous soumettre mais j'y suis contraint par, par l'exercice avec toujours le, le, la peur d'être à côté de, de la question tellement vivante par, dans tout ce que j'ai entendu. La philosophie est froide et la question de la ville et de l'espace public est chaude. Et il faut réussir à accorder ces deux températures. Alors le but de mon propos, contrairement au titre à ce que peut suggérer le titre sous lequel il est annoncé, sera moins de définir l'espace public que de faire ressortir les enjeux qui s'y attachent les significations que ce, cette notion véhicule, la valeur qu'elle représente, et par voie de conséquence aussi les menaces qui pèsent sur elle. Car c'est le, le paradoxe de cette notion d'espace public. Plus l'espace public est développé, plus il est désiré, plus il devient vulnérable. En tant que philosophe, vous n'en serez pas surpris, je suis plus familier, bien sûr, de l'espace public intellectuel que de l'espace public matériel, qui est l'objet de votre travail, même si par différents biais, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à cette question de la ville. C'est en tout cas le parallèle de ces deux espaces publics qui guidera les quelques réflexions que je vais vous soumettre, car ce parallèle me semble éminemment instructif. Ce que je vais essayer de montrer, ce que nous mettons sous ce nom d'espace public, tant intellectuel que matériel, est un concentré de la modernité européenne. Il vient de loin, l'espace public, de bien plus loin en fait que le XVIIIe siècle où l'on a coutume de l'identifier et d'en situer l'origine. L'espace public repose sur une distinction capitale entre public et privé qui constitue le foyer d'une nouvelle condition humaine, la condition de l'homme moderne. Aujourd'hui, surtout, que cette invention européenne gagne l'espace planétaire et devient un référent universel. Je crois que nous pouvons le dire. Cette distinction entre public et privé est en même temps ce qui rend précaire l'espace public et nous en avons eu beaucoup d'illustrations au travers des propos qui ont été tenus avant le mien. Il n'est pas rendu précaire dans sa réalité matérielle, mais dans sa dimension intellectuelle, dans l'esprit qui doit présider à son habitation. Au sens fonctionnel du terme, en effet, dès qu'il y a non pas même ville, mais agglomération humaine concentration minimale de population. Il y a espace public. Il y a des circulations. Il y a des lieux où se concentre l'activité, l'artisanat, le commerce. Il y a des lieux de rassemblement. Encore une fois, cela commence dès le village, la place du village, la place de l'église. Au sens pratique du mot, on peut parler dès alors d'espace public. Mais si j'évoque ce point, c'est pour faire sentir que quand nous employons la notion, même dans son aspect le plus matériel, nous y mettons tout autre chose que cette simple dimension physique. Dans l'usage actuel, pour nous, l'espace public représente infiniment plus que cette donnée matérielle qui s'attache à n'importe quelle concentration d'une population dans un lieu donné. Autrement dit, ce qui compte dans notre espace public, c'est l'esprit qui préside à son fonctionnement. C'est la manière de vivre l'espace public. La manière dont les acteurs de la ville l'investissent et aussi ce qu'ils en attendent. Et c'est ici que l'espace public intellectuel fournit un bon repère. C'est même, à la vérité, je crois, l'accès privilégié pour comprendre cet esprit de l'espace public qui en fait le prix à nos yeux. Derrière ce mot, partons du mot public mot qui nous est le plus familier peut-être de tout notre vocabulaire politique. Derrière ce mot, vous le savez, je n'entrerai pas dans cette très longue généalogie, il y a tout l'héritage culturel de l'antiquité gréco-latine. C'est de là qu'il nous vient. C'est dire simplement la très longue généalogie du phénomène, et c'est pour ce motif que je l'évoque. Ce mot de public implique la question de l'originalité historique de la ville européenne telle qu'elle se développe à partir des 11e, 12e siècles. La ville que. Depuis Max Weber, nous avons l'habitude de nommer la ville bourgeoise. La ville bourgeoise devant s'entendre ici par opposition à la ville de pouvoir, qui est l'héritage ancien hein, de... de la notion de ville, hein, de la cité. La ville européenne, c'est une ville de la coexistence, en fait, de la ville bourgeoise et de la ville de pouvoir. Et. Cela seul fournirait une entrée pour tout un développement dans lequel je ne peux pas entrer, mais qui dit bien beaucoup des difficultés que nous avons évoquées au cours de cette passionnante matinée. La notion de public engage avec elle la question de l'originalité de la culture dont la ville européenne va devenir le creuset. Un simple exemple. Auquel nous ne réfléchissons peut-être pas assez. L'université, l'institution typique de la ville européenne, où s'esquisse pour la première fois l'idée d'un statut public de la connaissance. Car c'est cela l'université, l'institution qui rompt avec ce qu'était jusque-là la connaissance, c'est-à-dire la transmission initiatique. Dans une relation purement personnelle entre un maître et un disciple ou des disciples. Avec l'université, nous sortons de l'idée de l'espace ésotérique de la connaissance pour accéder à son statut public, pour de bon. Et par parenthèse, ce caractère ésotérique de la connaissance restait la règle des écoles philosophiques de l'Antiquité, où l'exercice de la raison, qui était la destination de ces écoles, demeurait à l'intérieur d'un cercle fermé d'initiés avec la ville, la connaissance, l'accès au savoir entre dans un espace pour la première fois public, même s'il est très loin d'avoir à l'époque ce nom. Dans la même ligne, il faut évoquer la cristallisation institutionnelle de la chose publique avec la distinction dont la ville va être pour de bon la, 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 la ville bourgeoise. Alors là, pour le coup, la distinction capitale entre la personne et la fonction. La personne qui occupe temporairement une fonction de manière désintéressée, elle n'est pas là, elle est là pour exercer un sacerdoce public, hein, comme on le dira, et non pas pour y faire valoir ses intérêts privés. Mais l'étape décisive du point de vue de la formation de l'espace public intellectuel, à mon sens, est la création de la science moderne. Ce moment tout à fait extraordinaire dans la culture européenne, des années 1620, la révolution galiléenne, la révolution scientifique qui crée cet univers de la, la raison objectivée sous la forme d'un savoir transmissible publiquement, ce que ne faisait pas encore l'université médiévale. Avec la science moderne, on a l le premier objet public par excellence sur le plan intellectuel. La science est bien sûr d'un accès difficile, elle suppose des conditions élevées pour s'y intéresser, mais elle est publique au sens où elle s'adresse à tous, à tous ceux qui veulent s'y intéresser, et les résultats qu'elle met en avant sont susceptibles d'une discussion ouverte par n'importe qui. Pour la première fois dans l'histoire humaine, on peut, qu qui que soit la personne qui porte l'objection, la formuler sans qu'on lui demande ses titres, sans qu'on lui demande ses compétences, sans qu'on lui demande quelle est sa place sociale, quelle est son, simplement la valeur de son argument ou de ses propres résultats. Intellectuellement parlant, si le ticket d'entrée est élevé, il est ouvert par principe à n'importe qui. Et l'espace public, c'est l'espace du n'importe qui, qui vaut n'importe qui. Et c'est là où on entre dans ce qui va être le cœur de l'expérience du public moderne, qui est l'expérience démocratique. L'expérience d'un monde où les humains, quels qu'ils soient, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur fonction, sont dignes d'une égale considération. L'espace public, c'est l'espace de l'égalité, dont une notion tellement familière que nous ne l'interrogeons plus, mais dont il faut mesurer l'extraordinaire conquête qu'il représente. Et nous avons appris l'égalité sur le plan théorique en commençant par cette liberté de discuter indépendamment de n'importe quelle position d'autorité. Et de ce point de vue-là, c'est à la science moderne, à mon sens, que nous devons le noyau de notre espace public intellectuel, dont la charge de l'espace public matériel, celui dont, qui va réunir vos réflexions de ce matin, est la traduction. Notre espace public est en fait une traduction d'un espace public d'un autre ordre et qui doit nous servir, je crois, de guide. Si j'avais un très modeste conseil ou une très modeste suggestion même à faire, je pense que nous avons une bonne manière de nous orienter par rapport aux questions de l'espace public en général, l'espace public que vous gérez, que vous inventez, que vous bâtissez en nous demandant comment le, con... comment le considérer du point de vue de l'espace public intellectuel tel qu'il existe dans l'univers démocratique, dans l'univers de l'égalité des êtres. C'est au fond la meilleure manière sans doute de s'orienter par rapport aux questions qu'il peut nous poser. Que permet l'espace physique du point de vue du débat public et du point de vue de la manière dont des égaux peuvent délibérer de ce qu'ils ont en commun. C'est à partir de ce noyau que c'est, dans un deuxième temps, à partir du XVIIIe siècle, c'est la référence à qui a déjà été évoquée, que se développe ce qui est notre civilisation du débat public démocratique, hein, l'opinion publique, la citoyenneté l'entrée dans l'univers de la discussion publique, des affaires publiques en vue du bien public. Une définition opérationnelle du monde démocratique. J'insiste sur un point. Et c'était la raison de ce détour qui a pu vous paraître bien abstrait par rapport par l'espace le, public intellectuel. L'espace public intellectuel, comme l'espace politique en général, est fait de personnes privées, mais qui, en tant que contributeurs à la cause commune, sont anonymes. Abstraction faite de leurs caractéristiques particulières. C'est le cœur de la conception du citoyen, que là aussi, sa familiarité nous détourne de regarder dans ce qu'il exige. Être citoyen, ça n'est pas simplement se présenter avec ses droits, ses intérêts, sa culture c'est faire l'effort. De se départir de son point de vue singulier de personne privée pour accéder à un second niveau de participation à la vie collective. C'est d'ailleurs ce qu'on oublie facilement. Notre déclaration des droits de l'homme de 1789 reconnaît très bien. Elle distingue l'homme qui a des droits, l'humain, dira-t-on aujourd'hui du citoyen, il y a l'homme et il y a le citoyen. Et la difficulté de l'espace où se rencontrent les citoyens, c'est précisément la nécessité de cet effort pour être plus qu'un homme, à plus qu'un humain pour devenir pleinement un citoyen. Comme lorsque l'on entre dans le débat public, on admet un critère qui vous sépare de ce que vous êtes spontanément, nous avons tous des opinions, des options, des sensibilités, des caractéristiques, mais nous acceptons de les mettre de côté pour entrer dans un espace abstrait, quand bien même il a un support physique, pour atteindre un commun qui n'est nulle part jamais livré spontanément. C'est ce travail du citoyen, c'est ce travail de l'artifice urbain, quand on le transporte sur le terrain de l'espace public physique, qu'il faut considérer avec sa difficulté constitutive. Car les citoyens restent des humains, car les personnes publiques restent des personnes privées, et tout le problème est de faire en sorte d'obtenir cette acceptation, de prendre distance avec soi-même pour admettre la construction d'un quelque chose qui n'est pas donné spontanément et qui relève d'un effort intellectuel. Et là, il faut évoquer historiquement, ce redevient à mon sens d'actualité, on l'avait un peu oublié depuis quelques décennies. Le, derrière cet espace public et le travail qu'il exige de la part de ses participants, et, et qu'il faut se méfier là, je, je pensais à ce mot d'inclusion qui a été beaucoup évoqué, c'est tout à fait normal dans le mot. Nous, on n'inclut jamais sans condition. Il faut y aller, bien sûr, on accueille, mais l'accueil exige un, qui est un don, exige un contre-don qui est l'effort de se placer d'un point de vue qui permet véritablement la double reconnaissance, reconnaissance qu'il y a entre nous quelque chose de commun et reconnaissance que pour que ce commun fonctionne, il faut que nous prenions distance avec ce que nous sommes spontanément. Et une notion comme celle d'inclusion peut porter le danger, de faire oublier cette dimension d'effort, cette dimension d'effort qui a reçu un nom historiquement, euh, vous le connaissez tous, qui n'est pas très heureux d'ailleurs, mais qui est parlant parce que l'usage l'a consacré, c'est celui de la civilisation des mœurs, hein, dont on doit la notion à Norbert Elias. Autodiscipline, autocontrôle, capacité de reconnaissance d'autrui dans sa dignité, dans sa singularité comme son égal. La valeur fondamentale que suppose l'espace public est la reconnaissance de ce que nous avons en commun, indépendamment de nos intérêts, de nos caractéristiques particulières, avec ce que cela suppose de prise sur soi de ce domaine commun ce pourquoi euh, un espace commun appelant reconnaissance et respect dans la rencontre avec n'importe qui dont qu va prendre nom de civilité la valeur inséparable de l'espace public matériel C'est en fonction de cet idéal que s'est forgé notre espace public moderne, avec ses caractéristiques qu'il est banal de rappeler, l'ouverture, l'accessibilité, la propreté, au sens fort du mot, qui veut dire qu'il est libre de tous obstacles qui pourraient faire obstacle à la rencontre, la sécurité, au sens... On y va désarmé et prêt à la rencontre, hors de tout caractère agressif vis-à-vis d'autrui. L'espace de cette citoyenneté véritable. L'espace public tel que nous l'entendons existe indépendamment de son caractère matériel, elle n'existe que par cet investissement culturel, il n'existe que par un idéal de comportement qui fait que chacun porte sur lui la volonté d'en entretenir les conditions. L'espace public matériel peut bien sûr faciliter ces conditions, il peut les encourager, il peut les induire dans une certaine mesure. Mais il ne peut à lui seul les créer. Il n'est qu'un support, un support décisif, il est vrai. Il y a des lieux hostiles. Et il y a beaucoup de lieux hostiles dans une ville. Prenons l'exemple le plus... ou des lieux où tout simplement on n'a pas envie d'être ou de rester. Prenons l'exemple le plus trivial un couloir de métro. On ne s'y rencontre pas. <laughs> Il y a des espaces de circulation. Le... C'est un grand problème, d'ailleurs, je dirais peut-être dans... dans toute ville qui se respecte, l'endroit le plus hostile, c'est le lieu de la circulation, où par définition, chacun poursuit son but propre, en croise d'autres, cohabite avec d'autres, mais n'est pas là pour les rencontrer bien qu'ils puissent les rencontrer. Mais quand on se rencontre dans un couloir du métro, on, se, on sort rapidement du couloir du métro pour pouvoir poursuivre une conversation éventuelle. Ce n'est pas l'idéal pour, justement, faire espace public au sens plein du terme. Mais la, s'il y a des lieux hostiles, il y a des lieux favorables et qui sont beaucoup plus difficiles à définir, en fait. Et je dirais que ça, voilà le genre de, de choses sur lesquelles nous pouvons travailler très concrètement. Quel est l'optimum pour favoriser la rencontre et la discussion entre des personnes La meilleure conception urbanistique. Ne suffira jamais à créer par elle-même l'esprit public qui est indispensable à l'espace public. Autrement dit, ces caractéristiques mêmes font que l'espace public est fragile. Justement, quand on bâtit, on fait du solide. Donc on oublie la fragilité des liens humains qui peuvent se nouer à l'intérieur de cet espace. L'espace public, dans son véritable sens, celui auquel nous qui est inséparable de l'expérience démocratique, est conquis et à conquérir en permanence contre son contraire les exemples que donnait mme appéré tout à l'heure sur la lutte nécessaire contre la publicité la voiture en sont le parfait exemple. en effet la rencontre du public et du, et du privé est inévitable mais elle soulève constitutivement une menace pour ce qu'est le véritable espace public. l'espace public peut appeler l'expression des valeurs privées, celle du commerce, ô combien <laughs> Et en même temps, l'espace public est là pour permettre aussi l'expression de ces valeurs privées. C'est toute une dialectique subtile qui est le cœur de la réflexion. Par définition, l'espace public crée des la possibilité d'un retour de comportement privé, indifférent à ses conditions de fonctionnement. Quand j'emploie le mot d'indifférence, c'est précisément le mot par excellence qui menace l'espace public. C'est l'indifférence à autrui. Car la ville relationnelle... Notion tout à fait remarquable à beaucoup d'égards, ne doit pas faire oublier que la ville, c'est aussi l'espace de la déliaison et des solitudes. Et c'est avec cette dialectique que nous devons travailler. L'espace Le, public est aussi un espace potentiel de prédation un espace offert à des comportements violents et d'autant plus que notion cruciale par rapport à ce qu'est la très longue histoire des villes. le lacteur le, de l'espace public idéal est un acteur désarmé qui, qui est là pour une rencontre avec d'autres. Hors de toute condition de violence. Et conjurer la violence dans la ville n'est pas une petite affaire, puisqu'elle est offerte à la violence en même temps que dans son principe, elle l'exclut. La question que nous sommes obligés de nous poser aujourd'hui est de savoir justement si le développement d'un certain individualisme privé. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les raisons qui font évoquer ce péril. Il faut se demander si cet individualisme privé n'est pas une menace profonde pour la possibilité même de l'espace public. Une menace inédite à de certains égards. Même si le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'entrer dans tous les détails qu'il y faudrait. Nous avons à cet égard un exemple qui doit faire réfléchir du point de vue de l'espace public intellectuel. C'est celui d'Internet. Sur le papier, c'est ainsi que nous l'avons accueilli avec enthousiasme, c'est l'espace public idéal. L'espace public par excellence, tout le monde en contact avec tout le monde, sans barrière, à égalité, avec toutes les informations euh, possibles, rendues accessibles, et les points de vue sur tout sujet à disposition, avec évidemment quelques conditions pratiques, mais sommes toutes, toutes faciles à résoudre sur le, en principe. Or, en dépit de ces facilités évidentes, Internet n'est pas devenu cet espace intellectuel rêvé. Pourquoi C'est un vrai mystère quand on y réfléchit. Et je crois que c'est une des grandes questions à l'heure de la digitalisation que nous devons nous poser. Mais je ne me dis tout de suite pas du tout la prétention de répondre à cette question, qui est d'ailleurs certainement à multiples entrées, mais il y a au moins un facteur qu'il est possible d'évoquer. Tout le monde le sait, ce sont les comportements perturbateurs liés au fait, en particulier, qu'on ne sait pas à qui on a affaire. C'est là où l'anonymat, qui est le principe de notre espace public, la neutralisation des différences sociales, des différences d'origine, des différences de culture, dès lors qu'on accepte de jouer le jeu de la rencontre à égalité, l'anonymat se retourne. Contre, qui est la condition de l'espace public, se retourne contre ses possibilités de fonctionnement. Au nom de la, à l'abri de l'anonymat, on peut tout se permettre. Et nous découvrons, autrement dit, une nouvelle condition de l'espace public qui finalement réhabilite l'espace public physique par rapport à l'espace public digital c'est que dans l'espace public matériel, on sait à qui on a affaire et chacun est porteur et responsable de ses actes, de ses comportements et de ses paroles, de son attitude. Ce qui fait que nous, finalement, <laughs> on a même annoncé, vous vous souvenez de ces, je pense... À, quelques utopies qui ont très peu pénétré en Europe, mais qui aux États-Unis ont fait fureur, hein, que l'Internet, c'était la fin de la ville, parce qu'elle ne servait plus à rien, puisqu'on avait le, le réseau allait remplacer la ville, hein, avec la possibilité d'une dispersion sur le territoire qui réglait le problème de la nature en ville. Pourquoi se poser le problème On allait tous s'installer dans la nature et on allait pouvoir avoir un vrai fonctionnement démocratique aussi un fonctionnement économique beaucoup plus efficace en éliminant les perturbations de la ville qui était qui n'était plus qu'un facteur de temps transitoire hein, de, de pour faciliter la liaison des personnes et la, la, la concentration des moyens mais avec le digital on a cette concentration des moyens sans enfin, qu'elle se matérialise dans des lieux et ben au loin de la fin de la ville ce dont le notre époque nous offre le spectacle, c'est à l'opposé la valorisation démultipliée de la ville, avec tous les problèmes que ça suppose. Par exemple, effectivement, la cherté de l'immobilier, la, la, la valeur s'incarne aussi dans la valeur matérielle, et ce n'est pas la moindre tâche des <laughs> édiles que de combattre cette tendance qui est une vraie menace. Alors pour le l'univers démocratique et le sens même de la ville, précisément. Mais en tout cas, ce n'est pas d'Internet que nous pouvons attendre la solution des problèmes que nous pose l'entretien d'un bon espace public. Je crois que l'avenir est ouvert, d'autres possibilités sans doute se, se découvriront. mais l'expérience donne à penser sur ce qui fait le prix de l'espace public matériel celui auquel vous travaillez qui euh, est la bonne traduction finalement en dépit de ce qu'on a pu penser à un moment de l'espace public intellectuel et de l'espace public de la citoyenneté où euh, nous avons à travailler. C'est la leçon d'Internet, à mes yeux, même si elle est provisoire, même si elle peut évoluer, est une grande leçon de ce qu'il faut éviter à, si nous tenons à cette merveille humaine que représente l'espace public. Si nous tenons à cet espace public, il va falloir le vouloir. Et plus que jamais le vouloir. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Marcel Gaucher, pour cette, cette mise en perspective. Et au-delà de la mise en perspective, je trouve ce qui est réellement intéressant, justement, c'est ce rappel de notre responsabilité, aussi bien individuelle et collective, quant à la, la possibilité de l'émergence d'un espace. Réellement public, et puis aussi, ça nous appelle à l'humilité, à nous autres professionnels qui avons la prétention de, de créer des espaces matériels et de voir comme. On, on ne peut pas tout, mais il y a du travail et, et, et beaucoup de matière. Mais en tout cas, merci à tous aussi d'être venus aujourd'hui. Merci à l'ensemble des participants. Euh, merci à la Fondation Palladio d'exister. Merci à ceux qui l'animent, aux équipes, euh, aux comités pédagogiques, organisationnels. Euh, je vous rappelle que. Euh, les actes du colloque sont disponibles en sur le site. Je crois qu'il y aura aussi un replay, enfin, une captation vidéo de la matinée qui sera disponible. On va vous remettre un exemplaire à la sortie. Euh, je vous rappelle que la Fondation fonctionne grâce à ses mécènes. Donc, euh, nous pouvons tous contribuer à, à permettre à ces, à ces moments d'exister. Euh, je vous dis à, à, à très bientôt. Euh, en tout cas, j'essaierai d'être là l'année prochaine pour. Pour entendre les résultats de ces réflexions qui s'annoncent une nouvelle fois passionnantes. Merci beaucoup, bonne fin de matinée et à très bientôt.